en soit là, soyez nous contents. Et rendez-vous là, jeudi de la vendredi 8 mars 2024, sur Radio Côte Caraïbe, vous avez fait le bon choix. Alors, en tenue de petits mots pour tout le monde qui a écouté nous, on va commencer par good afternoon. Ah, pour le monde qui est à Londres, il y a du moins, on a qui est connecté. Guten Tag. Pour les Allemands, n'est-ce pas? On fait un petit clin d'œil, n'est-ce pas, Laurence? N'est-ce pas, oui. Buenos dias. Nengadef, pour mes amis du Sénégal. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes connectés pour donc suivre cette émission. Partagez la vidéo pour que le plus grand nombre, bien entendu, puisse comprendre, suivre ce que ces quatre femmes ont à nous raconter. Alors, on commence par ce thème. Qu'est-ce qu'on va raconter cet après-midi avec vous durant 2 heures? Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Oui, c'est le thème qu'a choisi les Nations Unies pour cette journée internationale des droits des femmes, une année si particulière. Oui, particulière. Alors, justement, mesdames, ce qu'on va faire tout de suite, et vous aussi qui nous écoutez, on va prendre une feuille de papier et son stylo. Je vais vous demander de faire ce petit exercice. Voilà. On va regarder qui est-ce qui est déjà connecté pour suivre cette émission aujourd'hui. On l'a dit, journée internationale des droits des femmes. Vous êtes en compagnie donc de Myriam et de ces quatre drôles de dames sur Radio Côte Caraïbe. Donc, bienvenue. Merci d'être avec nous. Et donc, tout de suite, je vais... On regarde déjà quand même. S'il y a du monde qui est connecté, est-ce que quelqu'un dit bonjour, nous envoie des cœurs? Le temps de vous laisser vous connecter. Pas encore, c'est timide pour l'instant. Je vois, mais oui, les gens vont venir. On a dit que toute la famille est là. Ah, bonjour Yvonne, merci d'être avec nous. Florence, hello. Merci, nous sommes vraiment ravis que vous soyez avec nous. Alors, on allait justement commencer, rappeler que le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Et vous comprendrez dans un instant pourquoi on a choisi ce thème avec ces femmes aussi. On a dit fort pour femmes fort. Vous comprendrez dans un instant. Alors, l'exercice qu'on va faire tout de suite, même chez vous, allez-y, prenez une feuille de papier, un stylo et vous comprendrez pourquoi cette journée est si spéciale. Donc le temps de prendre ce qu'il faut, que les amis se connectent petit à petit. Et nous aussi, on s'assure que nos familles soient connectées, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà, on va vérifier ça, on partage la vidéo. Londres, l'Allemagne. D'ailleurs, dites-nous d'où est-ce que vous êtes connectés, comme ça nous permet d'ajuster notre discours. Je ne sais pas si mon anglais ira plus loin que ça. Je vais traduire. Ah oui, ben voilà, c'est ça, on a une spécialiste avec nous. Alors, est-ce que ça y est, vous avez votre stylo, votre petite feuille de papier? Yvonne qui dit bonsoir à tout le monde. Alors. Bonsoir Yvonne. Alors, le temps de... Qui est-ce qui est là avec nous? Qui est-ce qui est là avec nous? Ça y est, on y est à notre rendez-vous de... Donc, tout le monde a pris son stylo. On va y aller parce qu'on a tellement de choses à se dire. Donc, je disais, sur cette feuille de papier, on va commencer par écrire le chiffre 8. Une fois qu'on a écrit le chiffre 8, on laisse un petit espace et on met le chiffre 3. Oui, c'est bien ça, Yvonne, tu as deviné. C'est la même. Alors, ça y est, donc on a écrit le chiffre 8, le chiffre 3, on a laissé un espace. Et maintenant, on va mettre le signe de la multiplication entre les deux. On ne va pas faire des mathématiques. Eh bien oui, Myriam, elle est chiante jusqu'au bout, hein, Jojo. Alors, 8 multiplié par 3. Si on était bien à l'école, ça nous fait? Oui, mais même si on est à l'école, des fois, tu sais. Ah, d'accord. 24, donc, 24. Non, mais tes enfants ne t'écoutent pas, tu as raison, tu peux le dire. Alors, 8. Mmh. Et on a mis le chiffre 3, mmh, le signe de la multiplication entre les deux. Donc, 8 fois 3. Entre les deux? Oui, mais entre les deux. Oui, égal 24. Est égal à? Ok, okay. 24. Et oui, et nous sommes le 8 mars 2024. Ah, ouais. Ah, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Voilà déjà une première raison d'être aussi spéciale cette journée. Ah, oui. Après, bien sûr, à l'instant, il y a quelques instants, quelques heures même,
à Paris s'est déroulée la cérémonie pour sceller la liberté des droits des femmes pour l'IVG. Donc voilà, vous voyez, il y a encore une deuxième raison pour qu'elle soit spéciale, en dehors de vous, bien entendu, mesdames, hein, que vous soyez avec nous, il fallait le souligner. Mais on continue, c'est pas fini. Alors, le 24, ça nous fait, on reprend deux, d'un côté. Allez-y, mesdames, deux, le chiffre 2. Ensuite, on laisse à nouveau l'espace, on met le chiffre 4. Et le signe de la multiplication entre les deux. 8. Et ça nous fait donc 8, comme le 8 mars. Le chiffre 8, mesdames, est associé au pouvoir, à la justice, à la chance aussi, à la chance et à la force d'entreprendre. Il y a bien des raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. On est dans l'ère du 8, tu savais ça. Absolument. Et dernier exercice, et après j'ai fini avec mes mathématiques. Ce chiffre 8, si vous le mettez à l'horizontale, c'est l'infini. C'est l'infini, absolument. Et l'infini, qu'est-ce que ça nous dit ? L'amour et la force. D'accord. Alors vous comprendrez bien le thème « Force pour femme forte ». C'est ce qui nous réunit cet après-midi. On y arrive. Voilà, donc maintenant que vous connaissez le thème, vous avez compris tout ce sens qui est avec nous, tous ces signes, je vous invite à partager la vidéo. On fait cette petite pause musicale avec Amazon de Joël Ursule. Et tout de suite, on rentre dans le thème. À tout de suite. Restez connectés, partagez la vidéo. Certainement que vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par le sujet. Allons-y. C'est Radio en nous. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio à nous. Oui, effectivement, vous êtes sur Radio Côte Caraïbe. Vous nous suivez un peu partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe, à nous dire d'où est-ce que vous êtes connecté, de façon à ce qu'on vous fasse un petit coucou spécial. Hein. Donc, je commençais mes salutations, mais tout le monde n'y était pas encore. Donc, bien bonjour tout le monde. Good afternoon, Guten Tag, pour ceux qui sont en Allemagne, vous l'aurez compris, Buenos Dias, puisqu'on est aussi en Espagne et même dans la Caraïbe, et Nangadef, pour ceux qui sont donc qui parlent Wolof au Sénégal. Donc je disais bienvenue et merci d'être avec nous. Ah, du 77, merci Yvonne d'être avec nous. Alors justement, c'est le moment pour moi de vous présenter ces dames, ces femmes fortes justement que je vous ai, vous avez vu un petit peu les prémices avec les teasers, et je me dis qu'après une telle chanson donc de Joël Ursule, forcément, vous voyez, ça ramène une droiture, on se sent forte, n'est-ce pas, mesdames? Alors oui, elles sont là, nos femmes fortes, donc avec Laurence Baptiste Wepler. Merci. Enchantée, Laurence. Et merci pour l'invitation, Myriam. Donc, qui est donc gérante du domaine de Bois-Malère, à Bouillante. Ensuite, nous avons Chef B, notre chef privé. N'hésite pas à te rapprocher du micro pour bien faire entendre ta voix. Vous m'entendez bien? Voilà, c'est ça. Exactement. On continue avec Johanna David. Bonsoir tout le monde. Merci Assistance pour l'invitation. On est là. C'est avec plaisir. Oui, oui. Je vois qu'il y a déjà plein de sourires. Continue à vous connecter. Et bien entendu, notre femme, la dernière, mais bien engagée, Jacqueline Pavila de Cossette Service. Bonsoir Cossette. Bonsoir Myriam. Merci de nous donner cette opportunité de dire, de montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on sait. Bien entendu. Alors, je le disais, nous l'avons dit, nous l'avons annoncé, ça y est, c'est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. On a dit investir, accélérer le rythme. Alors, avant d'aller plus loin, on va prendre quelques éléments de contexte quand même pour échanger avec ces dames. Pour vous dire qu'en Guadeloupe, sur donc la base des chiffres de la CCI, le nombre d'établissements gérés par des femmes augmente d'environ 10% chaque année. C'est dire comment les femmes s'investissent sur notre territoire, même si la majorité d'entre elles sont situées donc en zone centre, ce qu'on appelle ici Cap Excellence. À Bouillante en particulier, en 2022, la CCI a recensé 148 établissements dirigés par des femmes, ce qui représente environ 1% des entreprises. Alors aujourd'hui, nous allons, je vous l'ai dit, avec ces femmes,
qui sont sur ce territoire de la Côte Soulevant, qui ont choisi d'investir ici, de s'implanter ici à Bouillante, en Guadeloupe, en zone rurale. On va donc échanger avec elles sur leur parcours, sur qu'est-ce qui les a amenés, leur motivation par rapport à la création d'entreprise. Alors, mesdames, chacune à votre tour, n'hésitez pas, hein, au moment où vous vous sentez prêtes. On va commencer déjà pour comprendre, certes, vous êtes chef d'entreprise, des femmes engagées pour l'une et l'autre, l'idée, la genèse, comment tout a commencé? Qu'est-ce qui veut s'exprimer? Je vous en prie, mesdames, votre micro est pour vous. Alors, voilà. Oui, Johanna. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée? Alors, je suis maman, ça revient à chaque fois. Hein. Je suis maman de trois beaux enfants. Et c'est l'élément déclencheur. Alors, savoir, pouvoir pallier entre la vie professionnelle et la vie de maman. Alors, des fois, franchement, c'est un vrai parcours du combattant, hein, parce que quand on est salarié, il faut pouvoir s'adapter. Il y a les activités, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Et c'est ce qui a déclenché mon envie de pouvoir gérer mon temps. Alors, est-ce qu'il y avait une date ou une période particulière où tu te souviens, tu t'es dit, à ce moment-là, je vais créer mon entreprise? Oh oui, effectivement. Alors, pour la petite histoire, il y a quelques années, j'ai travaillé avec quelqu'un qui est devenu un ami par la suite et qui voyait que j'avais tout le temps envie de faire des choses. Alors, pour la petite histoire, à chaque fois que je changeais d'entreprise, parce que j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal fait d'aller-retour entre la métropole et la Guadeloupe, j'ai habité un peu partout sur la métropole, et ben à chaque fois, j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne les rênes dans une entreprise qui ne m'appartenait pas. Mmh. D'accord. Voilà. Ouais. Il fallait soit sauver la réputation, soit... Il fallait que tu prennes l'initiative. Voilà, pour... quand je dis sauver la réputation, c'est parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que je me sentais obligée pour moi-même, puisque j'y travaillais. Il faut se sentir concerné quand on travaille quelque part. Donc voilà. Et donc il voyait tout ça et il me disait, mais en fait, Johanna, tu peux faire plein de choses. Et tous les jours, voilà, de côtoyer aussi des gens qui nous motivent tous les jours et tout. Et il y avait s'il regarde, il se reconnaîtra, il me disait tous les jours, t'es une femme guadeloupéenne. Tous les jours, il me disait ça. Et vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça avait sur moi. À chaque fois qu'il sentait que j'avais une baisse de morale ou que j'allais flancher, il me disait ça. Et un jour, j'ai dit, mais en fait, ouais, je suis une femme guadeloupéenne. Je peux plus. Tu as enfin cru. Voilà, j'y ai cru. Voilà. J'y ai cru et ça m'a donné... ça m'a impulsé, ça m'a donné l'envie de me prendre en main. Quand je commençais à me plaindre, à me dire, mais comment je vais faire aussi? Alors, pour la petite histoire, ça fait pas si longtemps que ça, que j'ai mon permis de conduire, puisque en métropole, j'étais véhiculée, voilà, facilement avec le train. Mais attends, il faut pas tout nous dire tout de suite. On garde un petit peu voilà. Pour tout à l'heure. Alors, je lance ça sur ma gauche. Bi, chef Bi. Comment tout a commencé? Quel a été l'élément, la date, le contexte particulier qui fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit, ça y est, il faut que je crée mon entreprise. Ouais, j'ai toujours voulu être patronne. Rapproche-toi donc bien de ton toujours, micro. Bah déjà, alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, c'est ça. J'ai toujours là, voulu être patronne, d'aussi loin dont je me souvienne. Je me rappelle à l'école, on m'avait demandé, ma prof de français m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire. J'avais marqué à l'école, on devait faire une fiche sur nos métiers d'avenir. J'avais marqué que je voulais être patronne. Elle m'a demandé de quoi. J'ai dit, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, dès l'enfance, j'avais envie d'entreprendre. Et puis même des petites choses comme ça, ou même ma mère, quand elle voulait jeter des choses à la poubelle. Alors, rapproche-toi bien. Quand elle voulait jeter des choses à la poubelle, par exemple, et je lui ai dit, mais maman, on peut faire des brocantes. Tu sais, au niveau des Antilles, surtout en Haïti, brocante, ça n'existe pas. Donc, quand je lui ai dit que j'allais prendre ses affaires, que j'allais vendre ses petits bibelots, alors j'avais 12 ans, oui. Elle m'a donné une table avec juste une nappe. Et ils ont tout foutu dans le camion. Ils m'ont foutu là à 6h du matin, ils sont partis. Ils se sont dit, je suis sûre que celle-là, elle ne va rien vendre. Quand je suis revenue, il n'y avait plus rien. J'ai tout vendu. 12 ans. Tout vendu à 12 ans. Donc j'ai vendu tous ces bibelots, j'ai vendu ces tables, tout ce qu'elle pensait, elle jetait. Les jouets de mes petits frères. Et mes petits frères sont venus travailler avec moi ce jour-là. Donc je les ai exploités aussi. Ils ont travaillé. Exploité. Et oui, clairement, il fallait qu'ils voient un peu ce qu'on peut faire. Au lieu de jeter, on peut faire quelque chose d'autre. Et c'est là que je me suis dit, j'aime bien faire ça. Et quand je me suis orientée vers les études, puisque forcément, on nous oriente à l'école vers les études. Et je m'ennuyais un peu.
parce que j'étais partie pour la psycho de base. Mm-hmm. Donc je m'en alors pour qu'on entende bien ton histoire, il faut que tu te rapproches. Oui. Alors j'étais partie de base sur la psychologie et je m'ennuyais vraiment clairement. J'en avais marre de tout ce qui était littérature, théorie. J'avais mm-hmm. envie de passer dans la pratique. Et j'avais rencontré un type qui était en contrat d'apprentissage. Le mec, il était déjà meilleur apprenti charcutier traiteur de France. Il travaillait déjà pour les Champs-Élysées. Il avait quoi, 18 piges. J'ai dit, mais comment t'as fait? Il me dit, bah, je suis passée par la voie de l'alternance. Donc, il m'a expliqué son parcours. À 16 ans, il avait passé ses 2 ans de CAP. Mm-hmm. À la suite de ça, il a passé un concours. Et le mec, il gagnait 4 500 € par mois pendant que moi, j'allais à l'université. Je ne gagnais rien et que je postulais à McDo. Je me suis dit, bah, je vais rater ma vie si je passe dans cette voie-là. J'ai eu le déclic. Je me suis dit, je cuisine tout le temps. Pour mes amis, je suis tout le temps la bouche au confond en cuisine. Alors, pourquoi pas en faire mon métier? Et c'est comme ça que c'est parti. Et je me suis lancée dans la voie de l'alternance. Et de l'alternance, faisais des petits pas. Non, mais voilà. On ne peut pas tout raconter. Les gens partir trop vite. Il faut garder une petite... Oui, on galope. Voilà, on est toutes passionnées, Myriam. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Non, et les histoires sont passionnantes. Parce que tu dis, à 12 ans, elle avait déjà vendu les bibelots. Ah oui. Ça, jusqu'à maintenant, ma mère, elle en parle à Noël. Parce que bon, elle a jamais... Elle n'a plus jamais revu cette action auprès de mes frères. Hein. Il y a moi qui a eu cette action-là. Mais ça s'est fait. Je suis arrivée avec une table à 6h du matin. À et midi. Tout est parti. Mais à midi, il n'y avait plus rien. Et même les marchands de brocantes venaient acheter dans mes mains. C'était extra. C'était génial. C'était top. J'étais la seule gamine en plus. Laurence, on passe à toi. Alors quelle a été... Voilà, pareil, c'est intéressant la même question. D'écouter mes consoeurs parce qu'on se rend compte qu'on a des points communs énormes. Et je pense que le point commun qu'on a, c'est qu'on avait déjà, dès très jeune, en fait très, très jeune, l'esprit... entrepreneurial, l'esprit de prendre les choses en main. Alors moi, je suis l'aînée de 3 frères. Déjà, ça dit pas mal de choses. C'est sûr. Ouais, la bataille. Donc pour mes frères qui sont peut-être en train d'écouter maintenant, je leur fais un coucou et je suis sûre qu'ils peuvent attester que j'avais quand même un bras. Mais mettez un mot pour confirmer. Mettez un petit mot. Thierry, Nicolas, Arnaud, mon père aussi, je sais qu'il est en ligne. Et donc, j'avais quand même tendance, en étant l'aîné, je pense que beaucoup vont se reconnaître. Quand on est l'aîné, on a tendance déjà à prendre des choses en main. Oui. Surtout quand maman, papa ne sont pas présents. On n'a pas le choix. Et effectivement, bien, on n'a pas le choix. Et donc, du coup, on a, je pense, déjà une formation naturelle. Oui, et on se sent investi. Oui, parce qu'on a envie que ces frères ou sœurs, hein, moi dans mon cas c'était des garçons, mais on a envie de qu'on avance tous ensemble, quoi, d'avancer, qu'on ait une certaine rigueur. Et c'est vrai que j'ai été très exigeante avec mes frères et avec moi-même. Voilà, donc très jeune, je pense que je vais laisser ça assez court comme histoire, mais déjà. Oui. En tout cas, voilà, il y avait déjà on a cette. Déjà, je pense qu'on l'a en soi. Et ensuite, en fonction de notre environnement, on le développe. Voilà. Et moi, dans mon environnement familial, déjà très jeune, j'ai développé ce sens des responsabilités, ce sens de devoir, et en fait, de vouloir montrer l'exemple et de, voilà, d'avoir un certain leadership, quoi. Voilà. Bon, c'est carré, c'est plus... Alors, Jacqueline, c'est à toi. Alors, on regarde si le micro fonctionne bien, parce que... Non, il passe pas, malheureusement. Alors, on va... Voilà, c'est ça. On va temporairement... On s'organise, voilà, switcher, voilà. Exact. C'est moderne ici. Allez, vas-y. Alors, oui, c'est à toi, Jacqueline. Dis-nous un petit peu pour toi, à quel moment tout a commencé. Alors, c'est vrai, ce que vient de nous dire Laurence, ça nous renvoie, hein, l'émission permet ça aussi. Je me rappelle, gamine déjà, j'avais 14, 15 ans, avant de partir en métropole, je faisais déjà l'école payée. Et maintenant, je rencontre des jeunes qui me disent « Ouais, tu as fait école pour moi, ce qu'on appelait l'école payée déjà. » Donc, on a en nous quand même quelque chose dont on a envie de donner, on a envie de... Voilà. Et donc, moi, qu'est-ce qui a déclenché l'idée de créer Cosset Service? En fait, comme tu le sais, j'ai été élue pendant 2 mandats. Pendant 14 ans d'élu, 12 ans en responsabilité, 2 ans dans l'opposition. Et j'ai vu tellement de personnes un peu souffrir sur l'accueil dans nos institutions que je me suis dit, après ces 14 ans où on se donne, mais justement pour des institutions qui ne sont pas toujours à l'écoute des habitants et de la population, j'avais vraiment envie de créer quelque chose avec les valeurs que je porte
Voilà, pour permettre à des personnes de pouvoir toujours être dans le service, dans le partage avec l'autre, mais j'en ai fait mon métier. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, ces dames. Déjà, ça nous met dans un contexte où on sent que. J'ai bien choisi le thème. Femme, vous êtes déjà. on le voit. Alors, on continue pour mieux comprendre l'état d'esprit qui vous a amené à créer vos entreprises. Justement, si on devait mettre un mot sur la création d'entreprise, entreprendre au féminin pour le coup, vous diriez quoi? Ah, je peux commencer? Oui, vas-y. Ce qui m'est venu tout de suite. Oui, vas-y. Courage. Courage. Bien. Et moi, persévérance. Persévérance. Alors, je note détermination. Ça que... Détermination. Bi, et pour toi? Ambition. Un mot. Mais ambition. Fais entendre ta voix, ma chérie. Ambition. Ambition. On note ça et certainement qu'on y reviendra. Alors, on a dit courage, détermination, ambition et persévérance. Très bien. Voilà, vous me direz. N'hésitez pas, vous aussi, qui êtes connectés sur le live. Hein, et pour ceux qui souhaitent participer, vous pouvez toujours nous appeler donc au 05 90 le 10 29 45. Faites entendre aussi votre voix. Johanna, tu nous as dit ton mot hein, déjà. Oui, détermination. Détermination, voilà, c'est ça. Alors, ça nous permet de continuer parce que certainement que ces mots ont eu du sens au moment du Covid. Ah oui. Je sais que certaines ont... eu quelques bouleversements. C'est une période où il y a eu un avant et un après. Est-ce que par rapport à votre parcours, par rapport justement à développement ou la création d'entreprises, parce que certaines, je crois que c'est à cette période-là, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui ou à quoi associez-vous le Covid? Oui, Bi. Je dirais le Covid, ça a été... Comment dire ça? D'une certaine manière, une partie de moi est morte complètement et c'était la partie un peu soumise, un peu obéissante dans le terme de la société où voilà, j'avais un travail, enfin tout ce que... Tu t'es défait d'un dictat ou oui, de certaines choses. Oui, voilà, je me suis détachée de certaines choses et ça commence par dire non, je veux pas faire, je refuse de faire. C'est des choses dans le milieu salarial qu'on n'a pas tendance à faire. On se plie au patron, on se plie aux conditions de travail, même si ça nous va pas psychologiquement ou physiquement, ben on se plie, on fait. Et là, j'en avais marre. J'ai dit merde à la société, merde à l'État, merde à tout. Non, c'est le mot exact. Oui. Et je suis partie. Parce que au moment du Covid, on nous a pris pour des bouches trop concrètement tous les salariés. Et je parle pas forcément que du corps de métier de cuisine, que ce soit les infirmières. On nous a pris pour des punching balls. On nous a mis sur le côté. Un coup, on nous utilise. Un coup, on nous met de côté. Ça a été ça. Pas de salaire qui suit derrière. La peur aussi de la pandémie. L'enfermement, ça pousse à beaucoup de réflexions. Et c'est là où on se dit, on n'est que un pion. On n'est rien d'autre que ça. On nous déplace. On nous met là. On nous met pas là. Et si on meurt, Ça a été vraiment, comme tu dis, coup, une vraie remise en question. Ah oui, de. Et n'ayant pas de financement et n'ayant pas de salaire, parce que mon patron ne me payait pas à l'époque, il fallait bien que je paye mes factures, il fallait bien que je mange. J'ai commencé à développer des petites choses, des petits plats emportés, des petits sandwichs que j'allais vendre au champ de bananier à Capesser. D'ailleurs, si vous me voyez, coucou, c'est moi qui faisais les sandwichs dans ma petite voiturette. D'accord. Et je faisais ça pour m'en sortir, et ce qui m'a permis de payer mes factures. Et là, je me suis dit, je ne retourne plus dans le monde salarial. Et quand le Covid s'est terminé, j'étais directement dans l'entrepreneuriat, j'ai arrêté de travailler pour les autres. D'accord, très bien. Mesdames, est-ce que c'est un peu le même sentiment? Oui. Alors, c'était un développement différent. Je pense que ce qu'elle raconte est très intéressant parce que je pense que ça arrive à pas mal de monde, surtout dans le milieu hospitalier et de la restauration. Vous êtes deux secteurs qui avaient vraiment, je pense, eu une expérience très, très particulière. Mmh. Pour moi, j'étais déjà à ce moment-là consultante indépendante. Donc, en fait, un milieu entre salariés et totalement entrepreneur. Donc, j'étais assez autonome, mais je travaillais quand même pour des clients. J'avais quand même des comptes à rendre, on va dire. Oui. Par contre, le Covid, pour moi, c'était le thème important pour moi, c'était la santé. Santé physique et mentale. D'accord. Je trouve que l'isolement nous a tous fait réaliser que certaines choses, en tout cas par rapport à la vie en général. Mm-hmm. Et moi, ça m'a fait remettre en question, en fait, comme tu disais tout à l'heure, les valeurs et le sens de notre vie. Voilà, parce que je pense que ça a été brutal pour nous tous. On s'est rendu compte qu'en fait, les gouvernements, d'autres personnes, en fait, étaient en train de régir notre vie. Voilà. Et moi, ça m'a fait un choc où je me suis dit, effectivement, on peut être à même
De se détacher en tout cas de certains, pas peut-être pas tout, mais de oui. certaines choses qui sont contraignantes ou certaines choses qui sont imposées. Et on peut se libérer. En fait, moi, le thème pour moi, c'était la libération. Mmh. Et j'ai même fait un article dessus sur le marronnage moderne. Et j'avais l'impression, pendant cette période-là, d'être une marronne. Oui, parce que si on se souvient bien, on était ouais. en train de nous dire à quel moment il fallait quand, se déplacer, voilà, quand à voyager, quelle heure, quoi, dans quand. Quelle distance, absolument. Exactement, oui, et oui. faire des tests. On nous imposait le vaccin. Et donc, il y avait des thèmes assez forts qui m'ont forcé en fait, à chercher la marronne en moi. Et en fait, à résister à des choses qui étaient imposées et à me rendre compte aussi que même certains membres de mon entourage et ma famille étaient dociles. Et aussi oui. me rendre compte de ça aussi et d'accepter d'être en confrontation avec des personnes proches qui n'ont pas la même approche que moi ou qui sont plus dociles. Et ça, voilà, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails oui, maintenant, bien entendu. Mais vous dire que vraiment, ça a secoué le... En tout cas, on peut retenir un bouleversement oui. à la fois personnel. Personnel, et on va dire quand je parlais de santé mentale et santé physique, j'ai eu le Covid deux fois. La deuxième fois, j'ai eu un Covid, ce qu'on appelle un Covid long, D'accord. qui fait qu'on peut perdre l'ouïe, une partie de son ouïe. Donc j'ai perdu 40% de mon ouïe du côté gauche. Pour certains qui ont vécu ça, voilà, c'est quelque chose qui a été maintenant répertorié comme conséquence du Covid. Donc ça, c'était déjà un premier point physique mm-hmm. qui m'a fait démissionner de mes postes de consultante parce que ça a beaucoup de conséquences, notamment du vertige. J'avais beaucoup de crises de vertige. Quand on perd l'ouïe d'un côté, on peut avoir des vertiges. Ah donc oui, j'avais ça. Ouais. Et la santé mentale, c'est là que ça m'a rapprochée de mon projet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour me ressourcer, j'étais en pleine forêt et je me suis rapprochée. Le Covid m'a rapprochée de la nature, m'a rapprochée de l'essentiel. C'est grâce à la nature que je m'en suis sortie. D'accord, voilà, très bien. Je vais finir par ça. Très bien. Oui, ça ressente quelque part. Oui. Alors moi oui, j'ai eu plusieurs phases. Hein. Alors au départ on n'y croit pas vraiment. On se dit mais non c'est un truc qui va pas assez machin. Alors, je me dis bon j'ai quelques jours de vacances, je vais pouvoir me reposer puisque je suis une femme très très active. Et puis en fait on se rend compte que non ça n'évolue pas dans le temps et que là on commence à être bloqué. Mmh. Moi qui suis toujours la plupart du temps hors de la maison, qui bosse à l'extérieur etc. Oui, je me suis sentie enfermée. Et j'ai commencé à me poser des questions. Justement, je rejoins Laurence quand elle dit que même par rapport à certaines personnes de la famille, moi, j'ai vraiment eu ce problème-là. Il y a eu cette rupture. Oui, il y a vraiment eu cette rupture où je me demandais, je me disais, mais en fait, un tel n'est pas comme moi. On se remettait en question, ouais. on remettait en question l'autre, on ne comprenait pas. Et puis, on se disait, voilà, moi aussi, l'esprit marronne... J'ai dit, mais oui, je le suis. Voilà, voilà. D'accord, très bien. Jacqueline ? Oui, alors effectivement, cette Covid, je crois, a touché quelque chose hein, chez nous, dans notre monde, dans notre société. Parce que effectivement, deux choses qui m'a frappée lorsqu'on est justement très active... ce 17 mars 2020, je n'oublierai jamais quand le président avait dit « nous sommes en guerre ». Et moi, étant première adjointe au maire, ils m'ont appelé dans le bureau, là, toute la staff, en me disant « tu dois être confinée parce que si quelque chose arrive au maire, il faut que tu prennes le relais ». Ah et oui, parce que tu étais première adjointe. Première adjointe. Et alors... Sur le coup, on accueille ça, mais sans se rendre compte. Une journée, deux journées, puis presque 8 jours, on ne sort pas dans une maison, on devient dingue, parce que quand on passe pratiquement toute la journée dehors. Donc oui. ça, alors j'ai commencé à faire des gâteaux, farine maïs, plein de choses du pays oui, pour oui. M'aider à tenir. Alors j'ai même mis sur Facebook, je voyais que les gens réagissaient, demandaient des recettes et tout, parce qu'il fallait s'occuper, parce qu'on se retrouve. Donc ça nous a permis de... Et en même temps aussi, cette Covid m'a fait prendre la décision de créer Cossette Service. Parce que j'ai réalisé, j'avais mis un petit mot dans le cache d'escalier où j'habitais, de l'immeuble où j'étais, en disant ben, si vous avez besoin de l'autorisation, vous avez besoin surtout pour les personnes âgées d'une aide, eh ben, nous sommes là, monsieur et madame Pavila. Déjà, mon mari, c'était, il fallait aller faire les courses de tout le monde dans l'immeuble. Mais j'ai réalisé comment les gens étaient pauvres de la question du numérique.
Oui. Parce que même pour sortir une autorisation, les gens n'avaient pas d'ordinateur, n'avaient pas d'imprimante, enfin voilà. Et donc, pendant toute la période de COVID, je fournissais des attestations que je mettais dans une pochette en plastique près des boîtes aux lettres. Et donc, quand en 2020, effectivement, après ces 2 mois qu'on nous a donnés, puisque les élections étaient au mois de mars et puis ça a été reporté en juin, nous n'avons pas été élus. Donc, ça a été un déclic. À un moment donné, pendant 14 ans, on était en responsabilité. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'on veut faire vraiment de sa vie? Et je me suis dit, eh bien voilà, je veux continuer à aider les personnes, mais en étant, même si c'est une entreprise, mais de restant au service. Et c'est comme ça l'idée de créer cette circulaire base est venue. D'accord, très bien. Alors, on va lire un petit message de Florence, qui nous laisse un mot sur Facebook. Merci aussi à certains patrons qui ont malmené certaines de leurs employés, qui a permis le déclic. C'est mon cas. Alors, je suis allée un petit peu trop vite. Alors, c'est mon cas, mon bébé est au four et très bientôt, j'espère pouvoir faire partie de toutes ces femmes qui entreprennent. Bravo. On encourage, alors, on souhaite pas que les personnes soient malmenées, ceci étant dit. Mais en tout cas, si à un moment donné, vous avez le déclic de franchir le pas, et c'est aussi l'objet de cette émission, qu'on puisse discuter ensemble, que chacune partage leur expérience et peut-être vous donne des éléments qui vont vous aussi vous amener à créer votre entreprise. Donc, Sylvia nous dit bonsoir. On vous salue tous qui êtes connectés. N'hésitez pas, on sera enchantés d'entendre vos partages. Je rappelle le numéro de téléphone, le 05 90 10 29 45. Et bien entendu, aussi un petit message WhatsApp sur le portable de la radio, 06 90 95 06 98. Et bien entendu, on continue cet échange avec vous, mesdames. Oui, bien sûr, Bi. Au four, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Toujours, il faut te rapprocher du micro parce que sinon, on ne t'entend pas. Dis-nous. Non, c'est comme ça, ça dit. Okay. Non, je voulais savoir. Oui. Mon bébé au four tout à l'heure, je l'ai lu et j'attendais pour poser la question, qu'est-ce que ça veut dire. Mais au four, je pensais peut-être que l'enfant travaillait dans la restauration. Non, avec beaucoup d'humour, elle nous dit comment elle attend un heureux événement. Ok, mais c'est bien. Le terme au four, je ne connaissais pas. Hein. Son projet. Oui, non, elle est déjà enceinte. Félicitations alors. Voilà, c'est ça. Et certainement, elle va passer à l'entrepreneuriat. Alors, on continue cette discussion parce que c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui vous a amené, votre parcours et le partager, bien entendu. Alors, maintenant que vous avez créé, ça y est, vos entreprises sont en place, 1 an, 2 ans, voire plus pour certaines. Est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement par une organisation quelconque, que ce soit la CCI, les Premières de Guadeloupe, les entrepreneurs? Voilà, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est toute seule? Je me suis dit, bon, ça y est, allez, c'est parti. Je vais juste enregistrer. Tu nous cherches, la Myriam. je crois que tu veux qu'on parle de sujets très... Non, mais il faut que je sois d'accord, sinon c'est pas intéressant. Alors, qui va la première? J'ai commencé et vous allez continuer pour moi, mais je n'ai pas fait appel directement. Enfin, en tout cas, j'ai essayé au début de faire appel, on va pas dire à des organismes, mais à des consultants. Oui. Étant consultante moi-même, je sais, j'ai conscience que c'est important des fois d'avoir un vis-à-vis, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui peut nous accompagner, qui peut avoir un œil neutre sur quelque chose qui nous passionne. De notre regard, voilà. Un autre regard. Très bien. À ta mimique, je sens que ce n'était pas une très belle expérience. Pas une très bonne expérience. D'accord. Pas une très bonne expérience. Et en fait, je ne veux pas le dire pour ne pas encourager les gens. Enfin, je ne dis pas aux gens, ne faites pas ça. Oui. Mais faites très attention. Faites très attention. Et vraiment, je pense qu'il faut aussi faire due diligence, regarder vraiment les compétences des gens. Pas juste les croire sur parole, mais vraiment regarder, par exemple, du travail antérieur ou parler à des personnes qui ont travaillé avec eux avant. Parce que voilà, avant de se lancer, on se renseigne un petit peu. Je crois que j'aurais découvert des choses avant d'embaucher cette personne. Okay. Voilà. Bon, mais c'est intéressant de... Non, mais c'est ça, je partage cette expérience. Vraiment, faites attention et parlez surtout aux personnes qui ont travaillé avec eux avant, si vous pouvez. Voilà. Essayer d'avoir un retour, faire tout sa petite fait. Enquête pour savoir tout à fait. Quel type de personne. Voilà. Tout à fait. Mais il y a espoir, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai finalement fait, parce que quand même, il faut trouver un palliatif, c'est que je fais appel à des personnes professionnelles dans des domaines très particuliers. Donc, du coup, je crée
au lieu d'avoir une personne, une équipe, un réseau autour de toi. Un réseau de personnes, souvent de femmes d'ailleurs, qui vont, pour des sujets très spécifiques, on va pouvoir échanger. D'accord, voilà. Très bien. Bi, est-ce que toi, comment ça s'est passé pour toi? Tu étais déjà dans ton domaine spécialisé, chef cuisine. Est-ce que tu as senti le besoin de faire appel à une organisation ou un consultant aussi pour t'aider dans la gestion ou en tout cas la création de ton entreprise? J'ai toujours été quelqu'un de débrouillarde. Donc, j'ai toujours cherché moi-même. Avant d'aller demander, je cherche d'abord l'info. Comme ça, si on me raconte n'importe quoi, ben, je sais qu'on me raconte n'importe quoi. C'est très important. Il y a une phrase qu'il faut retenir. Le savoir, c'est le pouvoir. À partir du moment où vous avez le savoir, vous êtes indétrônable. Donc, moi, je suis arrivée, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais quand même l'ambition, il y a quelques années quand même, d'entreprendre, bien avant d'arriver en Guadeloupe. Je suis arrivée au Pôle emploi, toute rêveuse. Je dis que voilà, je voulais être patronne, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Mm-hmm. Ils m'ont mis la désillusion totale, etc. Ils ne m'ont pas orientée vers les structures de formation, etc. En sachant que le Pôle emploi, quand même, dispose de certains... comment on appelle ça? Dispositifs de formation pour les créateurs d'entreprises gratuits. Donc, vous avez toutes les informations autour de ça. Mais si vous ne leur dites pas que vous savez qu'il y a ça, ils ne vous le diront pas. Voilà, c'est ça la problématique du Pôle emploi. C'est qu'ils cachent les informations. Mm-hmm. Et à partir du moment où vous arrivez avec déjà un panel d'informations, ah ben là, ils vous servent tout sur un plateau d'argent. C'est ça. Donc, il faut aller plus loin. Voilà. Donc, première expérience, je ne savais pas grand-chose. Donc, je suis arrivée toute rêveuse. J'ai parlé. Je suis ressortie de là. Mon rêve, on me l'a mis dans une petite boîte. On me l'a donné. Et puis, je suis repartie avec mon rêve. Quelques années plus tard, bah, j'ai fait mes recherches. Je me suis renseignée. J'ai peaufiné mes affaires. Et je suis arrivée devant mon conseiller. Et je lui ai dit tout, de A à Z. Et il m'a dit, moi, en fait, je peux rien faire pour vous, puisque vous avez déjà toutes les infos. Je ne sers pas à grand-chose. Oui, à part juste vous donner le contact et le jour où vous pouvez aller faire votre formation d'entreprise. Donc, le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui a un rêve et qui a quelque chose, allez faire des recherches, allez à la bibliothèque. En plus, c'est gratuit la bibliothèque. Jusqu'à nouvel ordre, c'est encore gratuit. Par le biais de la mairie, vous pouvez avoir une inscription, avoir la bibliothèque. Donc, ceux qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, pas d'internet, vous pouvez avoir accès quand même à la connaissance. Elle est partout. Oui, maintenant qu'il y a France Service et il y a Cossette, on va chez Cossette. Voilà, Cossette Service, voilà. Mais allez chercher vous-même les informations et n'attendez surtout pas que ce soit les gens qui vous donnent les infos, parce que les gens ne sont pas forcément bienveillants. Mmh. Voilà, c'est tout. Et je crois que ce sera le maître mot de cet après-midi, la bienveillance aussi. Mmh. Alors, avant que Johanna continue, on va, comment elle s'appelle? Florence nous a donné des précisions. Elle parlait de son projet qui doit être dans le four et non de son bébé, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Elle parlait du projet bébé. Oula, pardon, c'est moi qui ai mal compris. Ça va aller, Myriam. D'accord, donc c'est bien ça, son projet de bébé. Voilà, d'accord. Ça y est, le message est passé. Merci beaucoup, Florence. Alors, on y va, Johanna, tu disais? Alors moi, il faut savoir que c'est ma deuxième activité. J'en ai une parce que je fais partie des personnes qui croient que on peut tomber et se relever, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Je dis ça parce que oui, Laurence aussi. On connaît, voilà. On connaît. Mmh. Alors c'est ma deuxième activité. Ma première activité, je m'occupais de personnes âgées à qui je faisais de la lecture. D'accord. Voilà. Donc okay. Les proches pouvaient me payer pour ça en fait. Pour aller passer des moments, pour faire de la lecture. Un peu comme on appelait la dame de compagnie. Exactement, d'accord. Et j'adorais faire ça. Ok. Voilà. Donc, je suis autodidacte. Je suis quelqu'un d'autodidacte. Voilà, je n'ai pas fait d'études. À la base, je voulais être styliste. Hein. J'ai fait un BEP Modern, je suis connexe. Ce qui ça n'a rien à voir. Ça viendra. Hein. Non, mais on le sent sur le style, hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose. Et donc, voilà. En fait, moi, je suis... c'est pour ça que... Je pense que je ne vais pas me contourner à ce que je fais aujourd'hui. J'aime la vie, j'aime les aventures. Donc peut-être que dans quelques années, je ne ferai plus ça, je ferai autre chose. Mm-hmm. Mais accompagner, pas vraiment. Parce que je rejoins aussi Bi, à l'époque, c'était Pôle emploi. On allait tous à Pôle emploi. Et je suis tombée sur le même discours, en fait. Je ne me suis pas sentie accompagnée. D'accord. Ensuite, oui, j'ai été à la CCI, j'ai tout fait toute seule. Mm-hmm. Et je suis quelqu'un d'assez orgueilleuse, donc je ne suis pas vraiment dans la démarche de demander, parce que je n'aime pas les refus. Je travaille sur ça. Oui, oui, qu'on le sache, voilà, oui. Je travaille sur futur ça. Futur client, tu n'es pas la seule. On a différentes raisons, mais tu n'es pas la seule à... Voilà. Donc, c'est vrai que je ne demande pas, d'aide, voilà. Aujourd'hui, je suis très, très bien accompagnée et je le salue aussi par mon gestionnaire qui m'aide beaucoup.
Je ne sais pas si je peux le citer, vous me direz tout à l'heure si je peux le citer. Non, mais il va te faire un coucou, il va se connecter. Voilà, ouais, j'espère que tu es connecté. et voilà, donc quand j'ai des problèmes, etc., il fait ce qu'il a à faire, il recherche. De toute façon, je n'ai pas vraiment le temps pour la paperasse. Voilà, et je ne suis pas paperasse du tout. Donc j'essaie quand même de jeter un œil, mais c'est vrai que j'essaie de déléguer, puisque je suis une femme d'action et pas de... De terrain, pas de... Voilà. Les intellectuels, comme dirait certains. J'aimerais juste intervenir par rapport à ce que Johanna a dit, parce qu'on faut qu'on soit spécifique aussi et pragmatique pour les femmes qui nous écoutent, ou même les hommes, hein, tous ceux qui veulent entreprendre. Je pense que ça serait bien qu'on leur donne des exemples de types d'experts qui seraient bien d'avoir autour de soi. Un bon comptable. Oui. Ça joue énormément. Ne lâchez rien. Soyez exigeant, trouvez quelqu'un de bon qui croit en votre projet. Parce que, en fait, des fois, on croit qu'un comptable regarde que les chiffres. Mais sachez qu'un comptable doit être investi, doit aimer votre projet. Et il peut être force de proposition, n'est-ce pas, Johanna ? Oui, exactement. Il peut être force de proposition. Il peut aussi, certains comptables connaissent plus de secteurs que d'autres. Oui. Donc, aussi poser ces questions-là. Vraiment, ça, le point comptable, je pense qu'on est d'accord. C'est un point commun pour toutes. Et il ne faut pas négliger ce point-là. Il y a des comptables qui peuvent aussi tellement aimer votre projet, qui sont prêts à vous accompagner au début, à très peu, et même, je ne sais pas si je pourrais le dire, mais même pas presque, de coût. Presque bénévolement. Bénévolement au début, pour vous accompagner, parce qu'ils savent que vous êtes future cliente. Donc les comptables. Elles ont compris le potentiel. Ouais. D'accord. Les comptables intelligents. Alors moi, je profite pour faire un coucou justement à l'ordre des experts comptables, parce que je travaille. Mon bureau est juste à côté d'eux, voilà, dans mes autres activités. Donc voilà, je note aussi. Très bien. Messieurs, dames, experts comptables. Exactement. Voilà. Rejoignez-nous. Alors. Je voulais saluer Lydia Luce, qui nous écoute et qui regarde. C'est une amie. Je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire il faut bien s'informer avant. Moi, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire comme je connaissais un peu quelques dispositifs, dès que je me suis dit que je veux créer une entreprise, je me suis rapprochée de ce qu'on appelle la mission locale, qui m'a vraiment donné... La mission locale, mais... Alors, raconte-nous, parce qu'il me semble que tu n'es pas toute jeune. Non, je ne suis pas toute jeune. Alors, ça s'appelle, en fait, la MIEL. C'est la mission. Ah, d'accord, oui, MIEL, d'accord. C'est un dispositif que les élus avaient créé pour aider les personnes, accompagner les personnes qui voulaient créer l'entreprise. Donc, d'accord. Comme je savais que ça existait, je suis allée. Donc, ils m'ont... Donc, à l'époque, dans le 93. Dans le 93, voilà. Donc, ils m'ont quand même donné la base. Et puis, rapidement, quand le projet que je voulais rentrer en Guadeloupe, je connaissais une amie qui m'a mis en contact avec les premières de Guadeloupe. Mm-hmm. C'était important pour moi en termes de réseau. Parce que d'accord. Comme je connaissais bien, j'avais un réseau important en métropole, mais pas en Guadeloupe. Et puis, on sait, hein, il y a quelques codes quand même ici qu'il faut redécouvrir. Bien sûr. Donc ça, a été important pour moi. Et les premières a été un accompagnement assez efficace. Parce qu'au départ, moi, je voulais créer vraiment une cyberbase. Je voyais que ça. Et comme on a, en plus des formations qu'on peut avoir, des formations collectives, on avait quand même un accompagnement individuel qui regardait le projet et qui m'a dit, attention, il va bientôt avoir France Service qui vont être dans les communes, donc il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même sac. Mmh. Et c'est vrai que ça m'a amené à mener une enquête sur le territoire de Bouillante pour savoir ce dont on avait besoin. Alors, il y avait beaucoup de choses... magasin de chaussures, magasin d'électroménager, mais la question de la mercerie m'a séduit. Donc, c'est ce qui t'a amené finalement à élargir ta proposition, dans tes services. Donc, le cyberbase plus la mercerie. La mercerie. Très bien. Oui. Alors, ça nous permet, merci Cossette, j'ai toujours plutôt envie de dire Cossette que Jacqueline, la transition est toute trouvée pour cette question du territoire, justement. Je connais l'attachement parce que vous y êtes né, ou en tout cas l'attachement par rapport à Guadeloupe, mais compte tenu du contexte de la Côte sous le vent, qu'est-ce qui fait qu'au-delà du fait d'avoir des racines, je veux dire la famille qui y est, qu'est-ce qui fait que finalement, non seulement vous avez créé, enfin vous y habitez plutôt, mais vous avez créé ici et vous êtes encore
ici, je veux dire. Mm-hmm. On sait que c'est difficile. On l'entend ici et là que la côte sous le vent, on est un petit peu le territoire très éloigné. On a l'impression que... Enfin, je vous passe les expressions qu'on disait avant. Tu vas c'est la chèque à peu paquet. Oui, oui, non, mais moi, ça m'a beaucoup marqué. Oui. C'est quelque chose encore aujourd'hui et qui fait que mon engagement, notamment à la radio, c'est parce que justement, de pouvoir montrer que nous sommes capables de faire des choses. Il existe des choses, de belles choses. Mm-hmm. Voilà, je suis entourée de femmes engagées, etc. Et malheureusement, le potentiel pour différents territoires, que ce soit pour parler de Vieux-Fort ou même d'Anse Bertrand, de Petit Canal, on entend que peu... Alors maintenant, ça change, mais il y a des territoires où s'il ne se passe pas un incident, on a l'impression qu'on n'entend jamais parler de ces territoires. Et vous, vous êtes en train de nous dire que c'est précisément là que vous avez décidé de créer et de maintenir votre entreprise. Donc... Je voulais juste comprendre rapidement avant qu'on le temps passe, c'est vrai qu'on a encore plein de choses à raconter et on n'a que 2 heures pour pouvoir explorer notre thème aujourd'hui. Mais voilà, je crois que c'est important d'aborder cette question du territoire. Pourquoi finalement, au-delà peut-être que vous-même, tout ce que vous avez pu entendre, vous avez décidé de créer ici votre entreprise. Alors moi c'est tout à fait, je commençais parce que moi c'est très évident puisque le domaine de Bois-Malère est à Bois-Malère. Donc, mon choix est vite fait, c'est-à-dire qu'il est lié à un site, à un lieu unique, magique, qui a une histoire qui lui est propre. Une histoire de marronnage, une histoire, voilà, qu'on va dire, qui est très forte en termes d'énergie. Mm-hmm. Ce qui fait que j'ai tendance à dire que c'est le lieu qui m'a choisi, que moi qui ai choisi le lieu. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand j'ai été sur ce site et que j'ai décidé de m'engager, parce que ça demande un engagement... De créer une activité de tourisme vert, de tourisme agricole sur ce site, j'ai aussi choisi, donc du coup, Bouillante, j'ai aussi choisi ma communauté. Je me suis dit, voilà, je me lance dans une entreprise qui est en fait localisée. Oui, mais pourtant, tu parles d'agroforesterie, de tourisme vert, oui. Mais c'est pas là qu'ils vont les touristes. Pourquoi tu as eu cette idée? Enfin, qu'est-ce qui t'a pris de garder ici? Alors, je vais dire oui et non. Le tourisme vert, on est d'accord, c'est sur la côte sous le vent. Oui, donc c'est généralement, c'est la côte sous le vent. On est quand même reconnu maintenant aujourd'hui pour ça, et je trouve qu'on a fait un beau travail dessus, à continuer. Mais on est quand même connu pour le tourisme vert. Quand j'ai fait des recherches, tu parlais tout à l'heure de faire un peu de recherche de marché avant de s'installer. Le tourisme vert attire beaucoup les Allemands. Et comme tu le sais, j'ai vécu là-bas. Absolument. Donc, j'ai vraiment une sensibilité par rapport à ce type d'activité, ce type de tourisme. Mm-hmm. Et c'est vrai que Bouillante est reconnue comme un lieu qui attire ce genre de tourisme et de clientèle. C'est vrai. Et donc, vraiment, là, au niveau études de marché, par contre, je suis bien placée. Et après, pour revenir au point où tu demandes pourquoi vraiment aller dans cette, on va dire, niche, qui est perçue, c'est quand même perçu comme un marché niche. Mm-hmm. Je pense que c'est parce qu'on croit en l'avenir de cette région. Voilà, vous reconnaissez il y a un potentiel. Il y a un potentiel énorme. Autant s'y investir. Tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment penser à propension à se développer dans un secteur peut-être qui n'est pas encore là, mais du coup faire partie de ce développement. D'accord. Ouais. Johanna, qu'est-ce qui toi t'a motivé à rester même si l'entreprise, de ce que j'ai compris, DG Assistance, est peut-être implantée à Bouillante, mais tu vas un peu partout d'ailleurs en Guadeloupe, mais quand même, qu'est-ce qui t'a amené à créer ici ? Alors moi, je reviens depuis quelques années de la métropole. Alors, j'avais envie de rentrer chez moi. Mmh. Voilà, et je ne me sens pas aussi en sécurité ailleurs que chez moi. Pourquoi en Basse-Terre ? Parce que je suis de Bouillante, voilà. Mais je me sens concernée sur toute la Guadeloupe. Et puis, je vais dire ça avec le sourire. Je trouve qu'on a la réputation d'être des gens accueillants, mais je trouve que ce n'est pas toujours reflété dans certains... Services ou organisations. Etc. Et j'espère être l'une des personnes qui va impulser ça un peu partout, dans toutes les entreprises. Voilà. L'accueil, c'est très, 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 très important. Mm-hmm. Alors, je prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une amie, on mangeait au restaurant. Enfin, on est parti manger au restaurant, mais on n'est pas rentré. Voilà. Parce qu'on n'a pas été accueillis comme il le fallait. D'accord. Voilà. Ouais. Et on a été ailleurs, on a eu l'accueil qu'on attendait, donc on est resté. Mmh. Voilà, et
ça a l'air d'être un petit détail, mais je trouve que ça a toute son importance. Quand quelqu'un dépense, voilà, fait une dépense pour se faire plaisir, je pense que tout ça... Il y a un minimum. Voilà, oui, ça compte de se sentir... Et, voilà, donc j'ai envie d'être l'une des personnes qui représente ça, l'accueil en Guadeloupe. Voilà. Très bien, c'est noté. L'accueil, c'est important. Moi, j'ai deux réponses à ça. Alors oui, vas-y. La première, ce serait, je pense pas qu'il va me regarder parce qu'il est très loin, c'est dans les Ardennes, c'est mon ancien patron, mon maître d'apprentissage en pâtisserie. Et lui, j'étais choquée parce que bon, j'ai cherché pas mal de contrats d'apprentissage, sauf que j'étais noire et dans cette région-là, donc j'avais un accent très blanca, donc directement on me disait venez. Et dès que j'arrivais, et ben, la place était déjà prise et j'étais jamais acceptée. Et la seule petite entreprise qui m'acceptait, le monsieur m'a dit, bah, écoute, tu vas prendre le train, et il m'a loué un vélo. D'accord. Parce qu'après, tu dois finir à vélo. Donc, j'ai pris le train. Après le train, j'arrivais à Sedan, et de Sedan, il fallait que je prenne mon vélo, que je prenne la voie verte. C'est une voie qui va jusqu'en Belgique, quand même. C'est une voie verte qui fait toute la France jusqu'à la Belgique. Si vous suivez, vous pouvez y aller à vélo, à pied. Mm-hmm. Du coup, je prends mon vélo, je dis, putain, mais où est-ce que je vais aller? Et je pédale, et je devais aller à Rémilly-Alicourt, un petit village. Sauf que ce monsieur-là, il avait le pôle production de pâtisserie, et d'accord, il avait des camions le matin, qui arrivait plus de 10 camions qui partaient livrer toutes les grandes villes autour de chez lui. Je lui dis, mais pourquoi il a été s'enterrer là? Il a dit, mais justement parce qu'il n'y a rien. Ça, oui, a été le premier pâtissier à s'implanter là et à livrer tous les petits villages des Ardennes. Mmh. Tous les petits villages des Ardennes représentent plus de 250 000 personnes. Ah oui, qui livraient tous les matins, d'accord, et tous les après-midi. Mmh. Et il m'a dit... Rapproche-toi, parce qu'on et il me disait, en fait, l'art d'un bon entrepreneur, ce n'est pas celui qui va s'installer à côté de tous les autres commerçants. C'est celui qui va aller là où il n'y a rien. Et qu'en fait, qui va avoir le monopole de tout. Qui va réussir à développer. Parce qu'il n'y a rien. Donc, pour répondre à Bouillante, je dirais, au lieu de faire comme tous les autres et s'installer en grande terre où tout le monde va se battre pour un petit bout de terre, un petit bout de local, pourquoi pas ne exploiter la basse terre, parce que la basse terre est inexploitée en termes de divertissement, cinéma, bon, t'as Rimbaud qui vient d'ouvrir, ou Darbaud, pardon, oui, qui vient d'ouvrir, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il y a pas d'activité pour les jeunes, il y a pas vraiment de boîte de nuit, enfin, on se fait un peu chier, on va dire. Donc, il y a des choses à faire. Franchement, il y a des métiers à créer. Il y a du potentiel. Le territoire a du potentiel. Il y a de l'investissement à faire. Donc, pourquoi pas Bouillante, j'aime bien. C'est vert. Les gens sont polis et il n'y a pas vraiment de délinquance. Et puis, c'est là où il y a tout à faire. Il y a tout sur la Grande Terre. Tout est centré en Grande Terre. Donc, c'est là qu'il faut investir. Donc, le potentiel, il est de ce côté-là. Voilà, donc, autant s'y investir. Et puis, c'est vert. Juste même la deuxième raison aussi, c'est en termes... nature, je suis assez écologique. Plus ça va avec l'âge et plus je deviens plus écolo. On sent aussi au niveau de l'air, quand vous arrivez à partir de la Grande Terre, l'air est très chaud, irrespirable, je dirais, un peu pollué. C'est pas méchant, c'est pas non plus, le prenez oui, pas oui, c'est mal, le constat que tu avais mais fait. Quand on traverse la traversée, on sent l'air tout pur, on sent notre poumon respire. Voilà. Oui, donc d'accord, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis venue. C'est aussi ma santé physique, mentale. Je trouve que c'est bien de vivre dans un environnement vert comme Bouillante. Puis quand tu as envie de faire du sport, tu peux faire. On a la rivière accès. C'est ça. Donc, c'est là qu'il faut venir. The place to be, comme dirait l'autre. Ouais. Oui, Jacqueline. Mais, écoute, Bi, c'est les mots que tu viens de dire. Pour moi, c'était très important de dire, quand j'ai créé Cossette Service, je l'ai fait à Maton parce que bon, je n'ai pas trouvé d'espace ailleurs qui me convenait. Mm-hmm. Mais à Maton, c'est vraiment un petit endroit retiré. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est une conviction forte que tous les habitants ont droit aussi à un service et un service de qualité. Ouais. Donc, pour moi, c'était important. Et la deuxième raison, hein, c'est de dire, ben, moi, je suis originaire de Bouillante. J'ai donné quand même pas mal de temps à d'autres communes et que j'ai envie aussi de contribuer au développement de ma commune. Bien sûr. Voilà. Très bien. Je peux ajouter juste un dernier mot qui va être un peu controversé, mais c'est une histoire que je dois quand même raconter. C'est important que les gens soient au courant. Moi, quand je me suis installée donc à Bois-Malherbe, tout là-haut, j'ai ajouté de la diversité aussi. C'est-à-dire que c'est important, moi, je trouve que les Guadeloupéens développent des activités et pas que... certaines autres communautés, il faut qu'il y ait de tout. Oui. Et je trouve voilà, que c'était important en tant que Guadeloupéenne de faire partie du développement de la Guadeloupe. Donc ça, c'est un point que je tiens à faire pour qu'il y ait une vraie diversité, surtout à Bouillante, d'activités entrepreneuriales. Voilà, ça c'est très bien. Parce que
avec ces mots, ce qui nous permet de marquer la pause et d'aller écouter notre chère Joubi Barnabé qui, avec son texte Femme, va nous replacer aussi dans un autre contexte et qui comprend mieux pourquoi Femme faut. Mmh. Allons-y, marquons cette pause. Nom en colibri, femme flèche, cap pitié nom en mythe entière, femme fil, cavope les noms en poêle vieillot, femme fiel, cafan froid nom et cacout langue, femme folle, capan, tchénom en bout de branchio. Foot femme flèche, foot femme flèche, foot femme ni fil, foot femme fiel, foot femme folle. Mais foot, femme, faut foot. Les femmes fait tant, fait force ou fort. Foot, femme, faut foot. Les femmes fait tant, fait force ou fort. Femme ram, ka ram, et non ma tout l'oyo, femme lam, ka ney, et non ma tlos, yeyo, femme flam, ka brille, et non ma dévoyo. Foot femme kan, foot femme nigam, foot femme ram, foot femme lam, foot femme flam. Mais foot femme fofo, les femmes fait tant, fait force ou fort. Foot femme fofo. Les femmes fait tant, fait force ou fort. Femme flow, qu'a tourné folle pour un babiole. Femme trèfle, qu'a pède la cat pour un watcher. Femme fesse, vous plaît, c'est mille en monnaie ou mamzelle. Femme bœuf, qu'a trimé vêt en bajouk nom. Femme faible. Cachinien chien dans tout chimène. Foot femme flow, foot femme trèfle, foot femme fesse, foot femme bœuf, foot femme faible. Mais foot femme faux fou. Les femmes fait tant, fait force ou fort. Aïe, en vérité, foot femme faux fou. Les femmes fait tant, fait force ou fort. Génération qui prend souffrance et délivrance. Non, t'es à Kakoui, n'en vend et t'as fait l'éternité. Soleil bâti en banquier, ou flamboyez entrailles la nuit. C'est pas la vie rentrée dans le corps, si mes vénés la connaissance et qui t'étais au bandit d'en haut. Neuf, la ligne pleine enlève ou d'en haut. Pour des chailles avant chailles faites, grand jour. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Hello, bien bonjour, c'est Myriam. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, j'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Et oui, vous êtes bien sûr Radio Côte Caraïbe. Merci pour ceux qui sont connectés, n'est-ce pas, Philippe Serin qui nous dit oui. Pensez aux auditeurs. Mais oui, on pense à vous et on sait que vous êtes là avec nous malgré l'heure. Donc merci d'être là, merci de partager cette vidéo et d'être avec nous pour justement écouter ces femmes fortes, comme l'a dit à l'instant Joubi Barnabé. Mais voilà, on a commencé à discuter de leur histoire et bien entendu, ce ne serait pas Myriam s'il n'y avait pas un deuxième de filles dans tout ça. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, donc Fosse pour femmes fortes, ces quatre dames que vous avez commencé à connaître un peu mieux. Hein, puisque certaines vous les connaissez déjà, donc Johanna David, Jacqueline Pavila,
Chef Bi, hein, Bernadine Fulrat, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Et Laurence Baptiste Wepler, qui donc elles ont accepté ce défi, le premier donc de venir sur ce plateau avec moi, mais le deuxième défi c'est qu'elles ont accepté de faire un pitch. Alors quelle idée folle a eu Myriam, n'est-ce pas? Au moment de préparer cette émission, quand j'ai pris connaissance donc du thème de l'année 2024 pour la Journée internationale des droits des femmes, on l'a dit tout à l'heure, investir envers les femmes, accélérons le rythme. Ça m'a paru évident de choisir ces quatre-là, ces quatre femmes-là. Et puis, il y en a une cinquième qui, malheureusement, n'a pas pu être avec nous cet après-midi. Mais on a une forte pensée pour elle. Il s'agit donc de Ludivine Butlet, qui est formatrice et médiatrice. Et qui vraiment, voilà, j'ai pensé à elle tout de suite parce que j'ai voulu que ces quatre femmes, en plus de nous expliquer leur parcours, face ce pitch, pardon, et l'idée du pitch, c'est vraiment de s'adresser à des investisseurs, parce qu'il s'agit donc, on l'a dit, accélérer l'équipe. Alors vous allez me dire, vous qui m'écoutez, je suis pas investisseur, j'ai pas d'argent, je suis pas banquier, mais vous connaissez forcément quelqu'un qui l'est. Donc c'est là l'idée aussi de partager cette vidéo. On connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, n'est-ce pas, et qui pourra donc aider ces femmes. Et on l'a dit. Investisseurs, j'entends aussi vous-même en tant que particulier, le fait de partager cette vidéo, le fait de solliciter ces dames après l'émission, justement de les contacter pour faire appel à leur service. Donc c'est en ce sens que je dis investir en elles, le fait même de partager la vidéo, de nous contacter dans un instant pour poser vos questions, nous laisser des messages, c'est déjà à votre façon donc d'investir en elles. Donc c'est dans cette deuxième partie qu'on va entendre dans un premier temps les pitchs, une après l'autre. Donc, alors, pour qu'il n'y ait pas de préférence, la dame a essayé de faire sa façon. Donc, j'ai fait un tirage au sort. Donc, elles m'ont dit, mais non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais d'ailleurs, c'était drôle. Je profite pour partager ça avec vous. Très drôle. Alors, la Bi qui dit que de toute façon, moi, je serai deuxième. Je passe après. Et je crois que c'est Johanna qui... Laurence qui a dit, de toute façon, moi, je passe la première. Ça sera la première, je serai la première. Voilà, elle sait déjà qu'elle sera la première. Et voilà, moi, j'ai préparé mes petits papiers. Voilà, et avec mes numéros, je dis à chacune, piocher, hein, 1, 2, 3 et 4. Et effectivement, ça tombe comme ça. Laurence, la première. En deuxième, Miss Bi. En troisième, Jacqueline. Et de toute façon, Johanna avait déjà dit qu'elle brille en dernier. En donc, gros, nos souhaits ont été réalisés. Voilà. Et les choses sont bien faites. Comme je vous disais, c'est une journée spéciale. Mm. Les choses sont alignées. Certains vous diront qu'on est à la verticale. Mm. Donc, c'est ce qui nous permet tout de suite donc, de passer à cette deuxième partie. On va suivre le pitch et on en discutera dans un petit moment. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à nous contacter pour vos observations. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces vidéos? Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est une vidéo avec des images et on en parle tout de suite. Donc, maintenant, je demande à la technique de pouvoir nous lancer le premier pitch avec Laurence Baptiste Wepler. Bonjour, moi c'est Laurence Baptiste Wepler, gérante du domaine de Bois Malère à Bouillante. Alors qui suis-je? Je suis une passionnée entrepreneur qui adore mettre en valeur les trésors cachés de la Guadeloupe et des Caraïbes. Alors comment je fais ça? Ça fait depuis plusieurs années maintenant, depuis même ma carrière internationale à Londres, en Allemagne, où je faisais déjà la promotion de la culture caribéenne et guadeloupéenne, de par des événements comme le Chanté Noël en Allemagne, à Londres, ou sinon le Carnaval de Notting Hill. J'ai aussi participé à l'établissement de Creole Day, qui a encore lieu à Londres en octobre. Et ensuite, donc, tout naturellement, à mon retour au pays qui s'est passé il y a à peu près un an, j'ai décidé de continuer à mettre en valeur le patrimoine guadeloupéen au domaine de Bois Malère. Alors, qu'est-ce que le domaine de Bois Malère? C'est un site historique qui est riche et qui a beaucoup d'énergie ressourçante. Et j'ai décidé de vraiment l'utiliser pour mettre en valeur donc nos ressources, mettre en valeur notre culture et ce qu'il y a de beau. Et comment je le fais? C'est par des événements qui s'appellent notamment le brunch culture nature, ou sinon des événements qui sont plus des événements de bien-être. Et ça permet donc à la communauté de profiter d'un lieu où on va pouvoir, imaginez-vous, vous pouvez profiter de chefs traiteurs gastronomiques qui pourront préparer des plats de la terre à l'assiette, ou en tout cas au cuit,
puisqu'on mange dans le cuit, avec le gros cas, imaginez-vous la nature luxuriante du domaine et vraiment passer des journées ressourçantes. Alors comment je l'ai fait? J'ai mis en disposition mon expertise en gestion multisectorielle que j'ai acquérie depuis des années. Et donc en fait, mon activité passe de l'agroforesterie, café, cacao, vanille, arbres fruitiers, plantes médicinales, mais aussi de tout ce qui est donc développement écotouristique sur le site, développement du tourisme vert. Alors comment vous pouvez nous aider? Notre objectif cette année et les années à venir, c'est de faire du domaine de Boisnalaire un domaine incontournable pour l'expérience culturelle, patrimoniale de la Guadeloupe. Pour ce faire, nous devons réhabiliter le site pour qu'il retrouve ses lettres de noblesse. Et j'aurais besoin de l'aide de la population, de l'aide de différents corps de métier pour pouvoir mettre ça en place. Alors, je vais vous donner quelques exemples plus précis. Il y en a trois. Premièrement, vous pouvez nous donner de la publicité, parler de nous, venir à nos événements, mais également préparer vos propres événements sur le site, tels que les mariages, anniversaires, enterrement de vie de jeune fille. Deuxièmement, vous pouvez rejoindre notre association, devenir membre, membre actif ou membre qui nous donne des dons qui permettront de financer certains travaux d'éco-construction. Et dernièrement, vous pouvez aussi offrir vos compétences, votre temps, qui nous permettrait donc d'avoir de l'ingénierie pour développer ce projet si important. Pourquoi il est important? Il permettra de créer des emplois, surtout pour les jeunes touchés par le chômage, et il permettra aussi de créer des opportunités pour des prestataires partenaires qui travaillent avec nous. Donc, pour me rencontrer, n'hésitez pas à me contacter au 06 90 29 84 24 ou nous contacter par les réseaux sociaux. Merci, à très bientôt. Donc ça y est, merci. Donc on vient de découvrir, enfin merci, du moins, Laurence merci. Vient de découvrir aussi. Ça fait bizarre de s'écouter soi-même, ça fait vraiment bizarre. Mais merci beaucoup pour l'opportunité, Myriam et toute l'équipe de Radio Côte Caraïbe. Alors justement, on voulait te demander, alors je rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant que donc sur Radio Côte Caraïbe, vous êtes dans l'émission Fosse pour Femme Fort. Et là, à l'instant, on vient d'écouter donc le premier pitch. Et pour ce clin d'œil que je tiens à faire à Ludivine Butlet, elle nous a accompagnés durant le mois de février. Ces dames ont bénéficié d'un accompagnement à la fois collectif et individuel de façon à les préparer pour cette production. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, à nous contacter aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation. Et d'ailleurs, le premier à nous faire un petit coucou là-dessus, c'est Philippe Serin, notre fidèle, notre grand fan, même s'il est tard. Alors, il dit « Belle initiative, Laurence, belle aisance dans ta présentation, comme ça j'aurai mon entrée gratuite, n'est-ce pas ?» Okay, Philippe. Voilà, et Henri David qui continue, alors il fait déjà un clin d'œil, mais t'inquiète pas, ton tour arrive. Alors il précise quand même, journée internationale des droits des femmes, oui, bien à vous, votre présence est inébranlable, non à la fête des femmes. Tu as raison. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de raisons de célébrer quelque part, hein. C'est pas la fête au sens qu'on peut l'entendre habituellement, mais en tout cas on a beaucoup de raisons de célébrer aujourd'hui. Et donc on va continuer avec toi, Laurence, après cette expérience déjà de te voir, t'entendre. Voilà, dis-nous qu'est-ce que tu retiens de cette expérience pour ce pitch? Alors vraiment, je disais merci tout à l'heure parce que je trouve au-delà du pitch, l'expérience même d'être entourée de femmes. Qui sont exceptionnelles, d'avoir cette chance, toutes les quatre, qu'on ait vraiment suivi ce parcours ensemble, qu'on ait eu des rires, des graissements de dents, des moments d'hésitation, parce que voilà, faire un pitch, c'est pas non plus quelque chose de naturel, tout le temps. Oui. Et puis vraiment d'avoir les soins, en fait, c'est que Ludivine, en tant que coach, a vraiment personnalisé son approche. Et ça, j'ai vraiment apprécié. On est quatre femmes très différentes et en même temps avec beaucoup de valeurs communes, on a remarqué. Et d'avoir quelqu'un comme Ludivine qui arrive à tirer le meilleur de nous, c'est extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment une expérience qui n'a pas de prix. Et donc, je remercie énormément, je te remercie déjà, Myriam, de nous avoir sélectionnés et d'avoir organisé une telle expérience, en fait, pour nous, qui est à la fois une expérience de développement personnel, mais aussi de pouvoir briller aujourd'hui avec nos beaux projets, chacune
voilà, chacune en radio comme ça, et de pouvoir présenter ce qu'on fait et motiver, j'espère, d'autres femmes. Mais bien entendu, mais merci à toi d'avoir accepté, parce que c'était pas évident. Je savais déjà que les emplois du temps seraient bousculés, donc je les ai, comment on appelle ça, chinés. Je suis allée les voir très tôt, décembre, janvier pour certaines, pour leur dire, voilà, vous me réservez cette date. J'ai expliqué un petit peu, en gros, mon délire, même si je me suis fait frapper du regard, n'est-ce pas? Quelle est encore cette... quelle idée, hein? Voilà, un pitch. En plus, il faut que je vous dise ça. Au départ, j'avais imaginé que ce serait 5 minutes. Non, mais la fille qui croit, non, mais pour moi, c'était des grandes dames, donc forcément, elles ont beaucoup de choses à dire. Alors, Hélène qui nous a rejoint, qui dit très belle présentation, je ne suis pas encore allée au domaine, j'ai envie de découvrir. Mais c'est tout merci, ce qu'on. Voilà, c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment la, merci, ouais, voilà, c'est ça. La réaction que je voulais, vraiment, venez découvrir le domaine de Bois-Malère, ça vaut le détour, c'est unique. Toutes les femmes qui sont sur cette table l'ont vu. J'espère qu'elles pourront attester, mais en tout cas, c'est un lieu unique. On fait de très belles expériences et on se régénère. C'est vraiment le but. C'est un but de santé mentale, santé physique, se régénérer pour repartir de l'avant. Voilà, et donc Claude Lauber qui nous a rejoint, bien bonsoir, mais oui, toute femme qui l'a, tout le monde qui déjà combat, tout le monde qui a continué à combattre, je là aussi, c'est joué aux autres pour nous dire, ben merci parce qu'elles ont commencé et nous qu'à poursuivre. Alors, je reviens sur l'exercice même de communication, puisque comme l'ont souligné les followers, n'est-ce pas, et nos auditeurs, que tu sembles assez à l'aise, est-ce que pour toi c'était la première fois ce type d'outil de communication justement? Alors, on va dire non, je vais quand même être objective et sincère. Je suis commerciale de profession, donc j'ai quand même, pendant de très longues années, fait des présentations en face de clients et même de gros groupes. Le plus grand groupe, il y avait 2000 personnes avec un micro. Donc j'étais quand même, voilà, on va dire, il y a une formation d'expérience, on va dire. Oui. Mais je vais préciser que quand ça concerne son bébé, comme a dit la dame... tout oui, à l'heure, oui, son projet de cœur, qu'on est passionné, il y a quand même quelque chose de plus compliqué à surmonter, c'est-à-dire d'arriver à décrire quelque chose qu'on a, nous, développé avec le cœur et qu'on n'a pas nécessairement formulé. Voilà. Moi, la grosse différence pour moi, c'était au lieu de vendre un produit de quelqu'un d'autre, je vendais mon produit. Mmh. Et là, c'est différent. Là, l'expérience est différente parce que c'est des choses qui se sont développées, on va dire, organiquement, avec le cœur, que je n'ai, et Ludivine et vous toutes, vous m'avez aidé à formuler ce que j'ai vraiment essayé de transmettre d'abord avec le cœur. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Très bien. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a justement, parce que dans sa démarche, Ludivine est particulière, n'est-ce ouais, pas ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus bousculé dans cette expérience? Alors, Ludivine, elle bouscule pas mal. Donc, je vais quand même en choisir un. Oui. Mais il y en avait plusieurs. D'accord. Parce que, en fait, comme j'étais passée d'un univers en finance. Oui. Et à aller à la nature, c'est-à-dire offrir des événements de santé, de bien-être en nature. J'avais complètement, moi, rejeté mon passé financier, mon passé de banquière, oui, mon passé de commercial. Mm-hmm. Elle m'a dit, non, accepte ton entièreté, inclut le fait que c'est cette expérience que tu vas mettre au service, au contraire, de la santé et du bien-être. Donc, en fait, le moment où elle m'a bousculé le plus, c'est quand on travaillait sur le pitch, elle m'a dit de ne pas hésiter quand même à montrer mon profil, on va dire, plus corporate et plus, on va dire... dans le monde carré, qui va servir en fait un monde qui est plus, voilà, retour à l'essentiel, parce qu'elle m'a dit, ça peut rassurer en fait les gens de savoir que tu as un esprit business pour un projet qui est un projet nature. Absolument. Et est-ce que tu as eu l'impression, comme je dis souvent, que tout ce que tu as pu faire avant, c'est comme un puzzle. Chaque pièce tout maintenant reprend sa place. J'écris. Alors, je suis assez active sur LinkedIn. Si certaines personnes sont sur LinkedIn, j'écris un article sur ça où j'ai l'impression que tout a été exécuté et fait pour que j'arrive à ce point, que ce soit mes victoires et que ce soit mes échecs. Mm-hmm. Je pense que tout ce que j'ai appris m'a emmené jusqu'ici et je pense que toutes les femmes qui sont sur cette table peuvent dire la même chose. Mais on a l'impression effectivement que tout s'accumule, comme un puzzle, voilà. Très bien. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on passe au deuxième pitch, hein, parce oui, que chacune a eu, va avoir son moment de gloire, si je peux dire ça ainsi. Pendant les rencontres, notamment celles collectives, hein, puisque celles qui étaient en individuel, je n'y étais pas. Et c'est un mot que je t'ai déjà souvent entendu dire, tu parles de mission.
Oui. Comme si tu étais donc en mission. Oui. Est-ce que là-dessus, tu peux nous en dire quelques mots? Alors, en fait, mon parcours... en fait, c'est une bonne transition de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon parcours, même si au tout début, j'ai cru que c'était un peu part, ça allait dans tous les sens. Oui. On a l'impression que ça n'a aucun sens à un moment donné. Mais quand on trouve sa mission, tout s'aligne et on comprend pourquoi on a appris telle ou telle chose. Donc, toute ma partie business, ma partie, on va dire, comme je vous ai dit, à l'étranger, à être commerciale, à voyager partout dans le monde, à aller dans des hôtels 5 étoiles, à avoir des expériences assez, on va dire, luxe. Le fait que maintenant, aujourd'hui, je veux développer, alors c'est ça, c'est un concept que j'ai imaginé, que j'ai développé, je veux développer un nouveau luxe caribéen, c'est parce que j'ai vécu du luxe occidental très, très longtemps. Et maintenant que je me rends compte et que je rentre chez moi, je me rends compte que la Guadeloupe et que la culture créole, en fait, a ce luxe à pouvoir à promouvoir. Et donc, cette mission de promouvoir les trésors cachés de la Guadeloupe et de promouvoir le luxe caribéen, en fait, m'aligne. C'est pour ça que je parle beaucoup de mission. D'accord. Parce que quand, en tant qu'entrepreneur, vous avez une ligne directrice et vous êtes en alignement, eh bien, tout commence à couler, tout commence à être un peu plus facile, non seulement à communiquer aux autres, oui. Mais aussi, je pense, au niveau de son développement, au niveau de la croissance de son projet, on est vraiment moins dans, on va dire, dans la confrontation. On est plus dans, dans une mouvance qui se développe plus naturellement. Voilà. Donc, le domaine de Baume-Allaire est en train d'évoluer avec les personnes qui visitent. À chaque visite, à chaque retour de client que j'ai, ben, ça fait évoluer le domaine. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de mission, parce que je pense que ça se ressent quand les gens viennent au domaine et me rencontrent. Et voilà, ça donne du sens. Voilà. Projet avec du sens. Ok, très bien. Eh bien, on va retenir ça et ça nous donne l'occasion donc de passer au deuxième pitch, parce que c'est vrai que le temps passe si vite. N'hésitez pas, hein, la ligne est ouverte au 05 90 10 29 45 à nous donner vos impressions, à partager avec nous les émotions, ou comme l'a fait tout à l'heure Hélène Thaïlandier, nous dire que justement elle a envie de découvrir. On va passer en écoutant d'abord un petit son d'Edith Lefel, hein. Voilà, nous sommes avec des femmes, et ensuite pour passer au deuxième pitch, et là on va écouter Chef B, à tout de suite. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Coucou tout le monde, alors je m'appelle Chef B. Alors qui est Chef B? C'est une jeune femme haïtienne, à moitié française. Je suis arrivée en Guadeloupe il y a 4 ans pour revoir un peu la cuisine guadeloupéenne, me remettre en immersion dans la restauration antillaise. Malheureusement, en plein Covid, grosse remise en question personnelle et professionnelle, je me suis demandé comment aborder mon métier, mon domaine différemment. Quoi faire de ma vie en fait? Du coup, j'ai créé mon entreprise B-Cook. Donc B-Cook, c'est chef privé à domicile, de manière à vous proposer une cuisine plus intimiste. Ça me permet d'avoir un rapport plus direct avec la clientèle, mais aussi vous proposer une cuisine 100% locale. Et quand je parle de 100% locale, c'est mettre en avant les agriculteurs de chez nous, nos éleveurs, et moins travailler avec l'industrie extérieure, et mettre en avant nos terroirs, nos produits. Comment aborder ce concept-là? Je me suis dit, pourquoi pas faire juste directement dans le privé. Aller directement aux gens, que ce soit en pleine nature, à domicile ou en entreprise. Apporter une cuisine plus élaborée, plus simple aussi, en même temps. Et tout en ayant un circuit court. Le circuit court, c'est aller directement chez le maraîcher, aller directement chez le poissonnier. Ce qui fait que je suis à même en mesure de vous apporter des produits de qualité, une gamme de qualité aussi.
Au jour d'aujourd'hui, je souhaite élargir ma zone de clientèle, aller directement vers vous, vous présenter mon travail et vous faire découvrir mon panel gustatif. Ce que j'appelle un panel gustatif, ce sont mes origines, mais aussi mon parcours professionnel. D'origine haïtienne, mais aussi grandi en Guadeloupe, parti en Europe, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne ou en Belgique. J'ai une cuisine variée et mon but, c'est de mettre tout ça en action à travers vos plats. Voilà ce qui est Bicook. L'idéal, c'est de vous sensibiliser sur le côté humain, le fait d'avoir un rapport direct avec vous, échanger avec vous, partager avec vous mes expériences et ma personne, ma personnalité, tout court, mais aussi vous sensibiliser sur ce que c'est que de pouvoir cuisiner des produits gastronomiques, raffinés, tout en ayant des produits de chez nous. C'est réalisable et c'est faisable. Voilà, c'est moi. Venez à moi. Donc, vous venez d'entendre la présentation, le pitch de Chef B. Donc, on va lui donner la parole, qu'elle se rapproche comme d'habitude pour qu'on entende sa belle voix du micro. Alors, à ton tour, B, comment as-tu vécu cette expérience et que penses-tu maintenant que tu t'es vue aussi au travers de cette présentation sur Facebook? Je me suis dit tout de suite, j'ai beaucoup moins d'aisance que Laurence quand même. On voit l'expérience commerciale. Alors, non, mais j'ai une expérience commerciale. Voilà, elle a l'expérience commerciale. Donc, mm-hmm. C'est tout à son honneur. Voilà, c'est un compliment. Mais je vais quand même préciser, Bi, que... On sent la sincérité dans ce que tu dis et ça transpire. Voilà, ça transpire. Et mais j'ai quand même du travail à faire au niveau communication. Mais bon, je suis derrière les fourneaux. On apprend à être en dehors des absolument. Fourneaux. Absolument. Non, mais c'est vrai. Chacun son domaine, mais c'est un métier, donc il faut apprendre à se présenter et à se vendre. Oui. Là, ça va être ma formation de l'année, je pense. Mais grâce à Ludivine, qui m'a aussi aidée là-dessus. Oui. Savoir me vendre. C'est vrai que dans mon métier, on est derrière la cuisine, en fait. Donc, on cuisine, on voit pas forcément le client. J'ai pas de rapport direct avec la clientèle, à la différence de DG Assistance, qui a un contact avec la clientèle. Donc, bien tu sûr. Vois, des fois, même quand on travaille ensemble, on collabore ensemble, qui vient me voir... par exemple, sur mon retour à parler avec les clients pour me faire des petites corrections, par exemple, à juste titre. Hein. Mais avec Ludivine, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pu apprendre à mieux me canaliser, mieux savoir comment... Parce que j'ai plein d'idées, mais tout est structuré dans ma tête. Mais après, dans les mots, tout est désorganisé. Oui. Donc, elle m'a appris un peu à réorganiser mes idées, mieux aussi les mettre en valeur, mieux les vendre. D'accord. Et donc, je vois que déjà une petite évolution dans le speech à améliorer, mais je vois une petite évolution. D'accord. Alors, pendant qu'on je vais venir vers toi, mais je profite aussi pour regarder ce qui se passe sur le chat. Je vais y arriver. Alors, c'est Esther qui nous dit « Jadis, le paysage entrepreneurial guadeloupéen était dominé par les hommes. Aujourd'hui, nous avons des femmes comme vous, les filles, qui passent à l'action en se lançant dans cette belle aventure. » Très bien. Donc, on te remercie pour tes mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette aventure entrepreneuriat. Oui. Voilà. Et puis, bien sûr, notre ami Philippe qui a une petite observation pour toi, Chef B, qui dit « Jolie prise de risque en dehors de son pays. Comme quoi, tu peux être sûr d'un avenir prometteur. Bonne chance. » Merci beaucoup. Voilà. Donc, alors, Bi, j'ai aussi cette petite question pour toi, justement. Expérience en cuisine, un peu partout d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui fait, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu as envie de proposer aujourd'hui? Parce que tu as dit diversifier, tu as dit varier, mais je crois qu'on peut encore préciser, parce que tu as une expérience, une cuisine asiatique, si je me trompe. Voilà, donc fais-nous... Asiatique, je la proposais moins avant, mais maintenant je vais l'imposer carrément aux gens, parce que j'aime bien vraiment la base asiatique. Ce que j'aime, c'est la couleur que tu mets dans les plats, et puis le gingembre. J'adore le gingembre, et on en a beaucoup en Guadeloupe, c'est naturel, et que c'est une épice pour moi, le gingembre.
et pour le qui se marie très bien avec la viande, quand tu as une viande, les faire aussi des plats sucrés salés. Mm-hmm. Aux Antilles, ils sont pas trop sucrés salés, mais pourtant quand ils vont manger chez le chinois, ils le mangent bien. Alors pourquoi pas moi le faire, hein, d'accord? Bien et, entendu, à ta sauce, bien entendu. Et puis mm-hmm. forcément garder la méthodologie de cuisson créole, c'est-à-dire nous, nos plats sont longs. Aime ton micro. On est réputé pour être des, comme disait mon beau-père à ma mère, ou toujours à dans la cuisine pendant des années, ou pas jamais avoir mangé l'arrivée. C'est ça. C'est marrant, des fois, elle démarre à 5h du matin le repas. Grosse action, 13h, bah, elle a beau cuite. Nous, toutes qu'à souhait. Nous, qu'à attendre à rien pour vite. Mais quand tu es assis et que tu manges, mais t'as un panel gustatif. Chaque petit bout que tu prends, c'est un voyage. Et c'est ça que je veux mettre en avant. C'est-à-dire, même si je prends certaines épices d'ailleurs, oui. J'ai ma marque de fabrique, type mamie. Ta signature, comme on dit. Voilà. Donc, mm-hmm. même si je prends 10 heures dans la cuisine, mais je suis sûre que ce que je vais te pondre, il est bon. Donc, je préfère faire ça. D'où aussi maintenant je refuse certaines prestations aussi. Je me permets de refuser maintenant des prestations où je vais faire des choses sur place. Moins j'accepte parce que j'aime bien travailler. Si je dois travailler sur place, il faut que j'ai tout mm-hmm. parce que j'aime bien prendre mon temps. Donc il faut que j'arrive limite à 5 heures du matin et que je cuisine mes affaires. Donc je préfère comment dire ça. Pour cuisiner, vaut mieux que les gens viennent à moi, en fait, ou si je vais chez eux. Pour découvrir vraiment tout ce que tu es en capacité de proposer. Alors, il y a quelque chose qui n'apparaît pas, ou en tout cas, ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, peut-être ne se sont pas rendus compte de ça, c'est que tu as une fibre artistique. Oui. Voilà, on n'en parle pas forcément, puisque c'est vrai qu'on a d'abord abordé la chef en cuisine, mais je pense que cette façon d'aborder, tu insistes sur le jeu des couleurs, c'est cette fibre artistique. Alors, est-ce que quand même tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, ben, je m'appelle Eutibi en tant qu'artiste, d'accord. peintre. ça a commencé au lycée parce qu'en fait, j'ai passé un bac littéraire avec option histoire de l'art et de la danse. C'est à Mornalo de Faustin-Fleret en Guadeloupe. D'accord. C'est le seul lycée qui permet d'avoir cette option-là en voie littéraire. Au lieu de passer l'anglais à l'oral, ben, vous avez l'histoire de l'art. À partir de là, ben, j'ai pris des cours de moderne jazz, Gouka, etc. avec Madame Patertoura. Ah oui, petit. Elle nous mm-hmm. voit, bah, je lui fais un coucou, un gros coucou d'ailleurs, parce que c'est une dame qui m'a appris beaucoup en termes d'art, d'acceptation de femme, de mon corps, mes émotions. Après, quand je suis partie en métropole, j'ai continué l'art, mais plus en dessin, parce que j'avais une amie qui me disait, tu sais, parce que je faisais beaucoup de petits dessins pour illustrer mes dissertations en danse. D'accord. Donc, j'illustrais mes dissertes, en plus de la partie écriture, je faisais un dessin. On nous demandait d'illustrer, donc moi, je dessinais. Et c'est parti de là, juste au stylo, je gribouillais, et des fois sur mon cahier. Et il y a une copine qui m'a dit, mais tu devrais le faire, en fait, devenir artiste peintre, tu devrais tester. J'ai jamais fait. Et pour mes 19 ans, elle est arrivée avec un tableau, des pinceaux, de la peinture. Elle m'a dit, voilà, t'as pas le choix. Voilà, quand tu t'ennuies, fais-le. Je commençais par le faire comme ça. Et elle s'est occupée de me démarcher elle-même. Et elle m'a appelée un jour, elle m'a dit, t'as une expo en Allemagne. je connaissais pas du tout l'Allemagne. J'ai déboulé, elle m'a ramenée. D'accord. Et j'ai exposé à Hambourg exactement pendant 2 semaines où j'ai vendu 3 œuvres. Et qu'ils ont bien aimé. D'ailleurs, on me relance d'abord là-bas pour savoir si je veux bien réexposer. Que je mm-hmm. réponds jamais parce qu'il faut avoir un temps. Et oui. L'œuvre, c'est pas comme ça parce qu'il faut payer une assurance pour ces œuvres d'art. Il faut payer la douane aussi. Il y a toute une manutention derrière qui. Non, mais t'inquiète, ils auront l'occasion à d'autres événements organisés par Kinti Contré. À Basse-Terre, si certains ça intéresse. On va s'en occuper, t'inquiète. Plein de surprises encore. ça vient. Donc, restez connectés, vous le savez déjà. Exactement. C'est au four. Évidemment, hein, c'est vrai. Petit hein. clin d'œil pour Lily. Florence. Voilà, c'est ça. C'est au four. Voilà. Donc, on va passer au troisième pitch parce que on a encore plein de choses à se raconter. Vous l'avez bien compris. Et il faut que tout le monde ait son petit quart d'heure de gloire. Donc, la petite pause musicale pour enchaîner derrière avec la présentation de Jacqueline Pavila pour Cosette Service. À tout de suite. Thank you.
arrêter après. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Bonjour, je suis Jacqueline Pavila. Je suis chef d'entreprise. Voilà bientôt 2 ans, nous avons créé Cossette Service sur la commune de Bouillante. Cossette Service, c'est un concept innovant. Nous offrons 2 services. Une cyberbase pour accompagner les personnes dans leurs démarches administratives. Nous savons aujourd'hui l'enjeu du numérique pour accompagner les personnes. Et pour les personnes les plus autonomes, ils peuvent utiliser un ordinateur avec connexion. Nous avons également une mercerie créative. Là, vous pouvez trouver des articles de base à Cossette Service, mais nous animons aussi des ateliers, broderie, couture. Nous avons animé la dernière fois un atelier marée-tête et nous avons eu la joie de voir M. Théophile animer cet atelier avec nous. Pour cela, nous avons des besoins, surtout pour pérenniser l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà une clientèle de Bouillante, mais nous espérons bien s'ouvrir encore plus davantage aux habitants de Vieux-Habitants, aux habitants de Pointe-Noire. Ce sont des villes avoisinantes qui peuvent trouver on peut rendre aussi service. Voilà, tout cela, nous le faisons dans un esprit de convivialité, de bienveillance, de respect pour les personnes, pour que les personnes puissent se sentir à l'aise. Nous avons des besoins pour pérenniser l'entreprise. Le premier des besoins, ce que vous pouvez, c'est venir nous voir. En parler, faire connaître la boutique. Venez acheter, au lieu d'aller à Basse-Terre ou à Pointe-à-Pitre, vous pouvez venir sur Bouillante à Cossette Service. Mais nous avons besoin aussi d'un véhicule. Aujourd'hui, si nous voulons être encore plus en proximité avec les gens, c'est important d'avoir un véhicule pour aller vers. Et puis, nous avons besoin aussi d'une machine à broder. Là, nous sommes en dialogue avec un restaurateur de Bouillante qui souhaiterait que nous puissions broder ses serviettes pour son restaurant. Voilà, nous vous attendons à Cossette Service. À très vite. Et oui, c'était le petit quart d'heure donc de Jacqueline Pavila, donc la gérante de Cossette Service, qui va donc maintenant à son tour nous dire quelques mots concernant cette expérience. Alors, pendant qu'elle est en train de s'organiser pour le micro, on dit bien bel bonsoir avec Romain et aussi le message donc de Judy. Mesdames, vous avez tellement de belles cordes à votre arc, continuez de lancer de vos belles flèches. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Judy, pour ce message. On vous salue de là où vous êtes, Romain. Bien entendu, belle bonsoir. Merci, Anela Sawa, avec nous. Merci, on pile. Et donc, Jacqueline, dis-nous à ton tour, comment as-tu vécu cette expérience? Oui, bien bonsoir, Romain. Cette expérience a été, pour moi, assez importante parce que dans la mesure que, bon, on n'a pas, moi, je n'ai pas trop l'habitude de parler de moi. C'est pas quelque chose que j'aime. Et puis, lorsqu'on a eu plusieurs expériences, c'est difficile de pouvoir se centrer, de dire ce qu'on. Donc, l'approche de Ludivine dans la rencontre individuelle a été ça. C'est un peu ce que tu disais, Laurence. De ne pas nier ce que tu es, mais de pouvoir faire un choix et pour se présenter. C'est pourquoi je me suis présentée comme chef d'entreprise. Mais c'est vrai que notre première rencontre collective où je sais que je suis médiatrice sociale, j'ai été élue, j'étais un peu, c'était un peu difficile de se centrer. Et avec la rencontre qu'on a eue avec elle, ça nous a permis de nous aligner, de savoir, en fonction du lieu où on est, de pouvoir se situer. D'accord, très bien. Alors, je profite pour regarder un petit message donc de Philippe, hein, qui a bien compris l'esprit de cette émission. Je te remercie beaucoup, Philippe. Ah, oui. Voilà, un petit message pour chacune après leur pitch. C'est vraiment sympa et ça aide. Alors, je vais le lire. Donc, Jacqueline, je vois que la révolution est en marche, surtout à l'endroit où tu te situes en
entre autres, à Maton, qui va prendre une petite notoriété, surtout quand tes ateliers seront menés de main de maître par Jacqueline. Elle retient bien. Ouais. Vraiment, on sent qu'il suit. Hein. Oui, ah, c'est grave. Maton, tout ça. Ah oui, oui, bravo. Alors, Philippe, ce qu'il faut savoir, effectivement, à Maton, pour moi, c'était important que cette service soit à Maton, parce que, comme on disait, ben, même les personnes, même les endroits les plus retirés ont droit aussi un service, mais comme effectivement, lorsqu'on a une entreprise, même si on a une fibre sociale, ça reste quand même un business. Donc, du coup, nous avons déménagé en partie. Nous sommes donc à Bouillante, au bourg, près de M. Felsina, près des boutiques Felsina. Mais pour moi, c'était important, quand j'ai démarré, que ce sont les personnes de Maton, de village, c'est Yokiba Mouinfosla. Donc, 2 jours dans la semaine, le lundi après-midi et le mercredi, je reste ouverte à Maton pour les personnes, pour garder cette proximité. Voilà, ce contact avec ces personnes. Voilà. Très bien. Ben, merci pour ce message, Philippe. Alors, moi, j'ai justement une question pour toi, Jacqueline. Sachant, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as précisé, tu as eu de nombreux engagements avant d'être à Cosette Service. Comment, justement, tu sens cet apport pour dans le développement de ton entreprise aujourd'hui? Ben, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, ben, lorsque, par exemple, en 2020, j'ai pas été élue, on est un peu triste. Mais après, je crois que chaque chose a une raison d'être. Mm-hmm. A une raison d'être, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'arrive à développer Cosette Service grâce à cette expérience que j'ai eue. Et donc, voilà, je pense que les choses se fassent quand elles doivent être faites. Et donc, je crois très fermement que les expériences qu'on a eues, que ce soit, tu le disais tout à l'heure, des réussites, mais des échecs, c'est ça qui nous permet d'avancer. Mmh, très bien. Ouais. On sent comment est-ce que je peux dire ça? Ce que je retiens de nos échanges et notamment des moments collectifs, c'est cette spiritualité que tu apportes à chaque fois dans tes propos. Je ne sais pas si tu t'en rends compte d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si. Mais pour moi, oui, c'est. Alors après, j'ai fait aussi une formation. C'est un mot un peu. L'hypnopsychiatrie, en fait, c'est une réflexion entre la psychologie et l'anthropologie. D'accord. Et j'ai retenu de cette formation qu'il n'y a pas de hiérarchie de savoir et que tout le monde peut apporter quelque chose. Et donc, c'est ça aussi le concept de Cosette Service. Oui. On parle en France de tiers-lieu. Moi, je dirais c'est un lacou sociétal. Même si c'est une entreprise, mais quelle que soit la personne qui rentre dans le magasin, peut aussi apporter une idée, on peut grandir. C'est un peu ça, les différents ateliers, ce sont des prétextes pour que nous puissions discuter ensemble, grandir ensemble. Alors, il faut que je vous raconte. Merci beaucoup, Jacqueline, pour ce... Hein. Vous voyez, non, mais je le disais, hein, quand on parlait de spiritualité, vraiment, il y a des connexions. Et pour vous dire à quel point Cosette est connectée, une petite anecdote pour nos rencontres collectives, je suis sûre vous allez vous en souvenir. Alors, pour préparer cette émission, on a eu plusieurs phases. Et la dernière rencontre, justement, on se disait, voilà, il faut qu'on ait les coordonnées, l'adresse mail, le logo pour pouvoir terminer la présentation. Et là, Cosette Service, elle a l'air plus âgée. Mais bien connecté, hein, méfiez-vous. Ah oui, c'est vrai. Quand on cherche la carte, hein, la carte alors, de visite. Johanna qui sort sa carte de visite. Laurence qui dit, mince, j'ai pas amené aujourd'hui, mais t'en fais pas, tu vas te mettre là, je vais t'envoyer ça, on est sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez Cosette Service qui vous ramène son portable, mesdames et messieurs. Et qui, tu dis, mais non, mais t'as qu'à scanner, toc, et puis t'as qu'à scanner, non, mais attends, cherche pas, non, mais ah bon, comment ça? Et oui, elle a sa puce connectée pour, alors raconte-nous ça justement. Tout à fait, et donc, heureusement, lorsque nous avons eu cette expérience ensemble, ça m'a permis quand même de chercher parce qu'on voyait qu'il y avait une erreur, et effectivement, donc j'ai appelé le fournisseur qui m'a dit, c'est parce qu'on est en train de changer un peu de logiciel, mais que ça va venir. Ça va venir. Donc, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Bon, au final, on veut tous travailler, on veut tous solliciter son travail. Donc, on est des entrepreneuses. Absolument. On a tous besoin de logos. Donc, t'as déjà plein de clientes. Oui.
Et puis, je pense que ça aussi, c'est pas rien. Myriam, de ce que tu nous as proposé, parce que je pense que c'est aussi ça, cette expérience que nous avons vécue ensemble, c'est de nous permettre de travailler aussi ensemble. Absolument. Ça, c'est une chose. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'était important pour moi, cette mise en rose. Alors, c'est allé beaucoup plus loin ensemble, que ce que je ne pensais. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'était sympa de se rendre compte, mais finalement, mais on peut faire ça, on peut faire des copies chez toi, voilà, mais on peut plastifier. Et ça, la connexion était faite. Et vraiment, c'est vrai que quelque part, je vous remercie parce que ça y est, la connexion, le premier réseau. Et le thème d'aujourd'hui, c'est bien investir envers les femmes. Donc, accélérer le rythme. Donc, pour le c'est important. Voilà. Absolument. Tout à fait. Absolument. Alors, on a des petits messages sur les réseaux. Donc, Hélène, qui a dit, mince, qui dit, voilà, j'ai dû me déplacer pour le pitch de Bi. Mais en tout cas, j'ai pu participer à un de ces événements. J'encourage fortement pour son engagement culinaire. Oh, merci beaucoup, Hélène. Voilà, un petit message. Et Marie-Odette qui nous salue. Bonsoir, Marie-Odette. Donc, Kéry, bonsoir tout le monde à Radio Côte Caraïbe. Donc, merci d'être connecté. Pour ceux qui sont là-bas, ici, faites-nous un petit coucou. Nous aussi, on est ravis de vous avoir avec nous. L'émission continue, Fosse pour Femme Faux. Vous y êtes sur Radio Côte Caraïbe. Et donc, on poursuit parce que il faut qu'on entende encore. Je confirme que Londres est connectée. Hein. Londres... Oui, faites-nous... Hello, hein? Hello. Voilà, même si mon anglais ne va pas très loin, n'est-ce pas? Il faut dire à Hélène, Hélène, il faut revenir. Hein. C'est le 16 mars. Et la prochaine les date. Enfants d'Allemagne nous suivent. Voilà. Donc, ah, coucou les enfants. Coucou les enfants. Salia, Mathieu. Voilà, coucou, coucou. Voilà, j'ai essayé de faire un petit salut dans chaque langue pour un petit coucou à vous. Voilà, bisous, bisous. Voilà, voilà. Comment on dit bisous? Küsschen. Küsschen. Allez, j'ai dit ça bien. Küsschen. Moi, je prononce jamais les mots en allemand. Küsschen. Bravo. Alors, Romain qui nous dit bravo. Nous, qu'à voir, les femmes fait tant. Fait ça qui. Alors, les femmes fait tant fait, il qu'a fait ça, c'est fausse à femme. Bon, ah, Dieu, oui. Joanna, bravo. 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 Merci. Ça, t'es vraiment créolita. Voilà, hein. C'est ça. Merci beaucoup, merci Romain. Nous sommes connectés. Merci en pile. Merci, Romain. Nous disons ça, un prochain coup qu'on vient en Guadeloupe, il faut passer par là. On ah va connaître. Oui. Bon, eh ben, nous prenons. Alors, maintenant, c'est le tour de Miss Johanna, n'est-ce pas? La top du top. Ouais, la meilleure pour la fin. Voilà, c'est ça. DJ Assistance. Alors, tenez-vous bien. Le petit jingle avec Edith Lefebvre. Et bien entendu, on écoute Johanna. À tout de suite. Côte Caraïbe. Bonjour, Radio je m'appelle Johanna David, je suis maman de 3 enfants et aussi chef d'entreprise. Alors, depuis que je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai décidé de devenir indépendante afin de pallier à mon devoir de maman, mais aussi à ma vie professionnelle. Alors, j'ai créé une activité qui s'appelle DJ Assistance. DJ Assistance fait de la gestion de services. Dans tous les événements, mariage, anniversaire, mais aussi chez vous, pour un simple dîner en amoureux. On vous aide dans tout ce qui est accueil, service, et quand on est reparti, il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez simplement profiter de votre soirée. Alors, nous intervenons aussi dans les restaurants, les associations. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de me professionnaliser et de grandir. Alors, si vous avez envie, si vous souhaitez aider une entreprise guadeloupéenne en pleine expansion, vous pouvez faire des dons de vaisselle, de couverts ou tout simplement m'appeler au 06 90 98 42 13. DJ Assistance insiste sur l'importance de l'accueil dans tous les événements que vous pouvez avoir. Il est important que les convives se sentent choyés et chouchoutés. Et tout ça pour qu'ils aient envie de revenir. Voilà. Faites appel à DJ Assistance.
Et oui, c'était le petit quart d'heure donc de Johanna David qui vient de se revoir sur ces images. Alors, c'est à toi, Johanna, mais voilà, on va revenir sur le petit message de Claude tout à l'heure qui s'adresse à toutes les quatre. Mais on se retourne vers Johanna. Johanna, de cette expérience, qu'en dis-tu? Eh ben, écoute, Myriam, encore merci. Merci de nous avoir donné la chance de se rencontrer pour certaines. Je sens grandi de cette expérience. Tu te sens même émue. Tout le monde sait maintenant. Hein. C'est facile chez moi. Hein. Je suis très émotionnelle. Ludivine m'a aidée à mettre des mots, je ne sais pas si je peux dire ça, mais sur ma personne. Parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime parler. J'aime beaucoup parler des autres, aider les autres, voilà. Mettre en avant ce que les autres font. Mais c'est vrai que quand il s'agit de moi, je ne sais pas, une espèce de blocage. Je ne sais pas si je vais bien dire les choses, si je vais pouvoir trouver les mots qu'il faut au moment qu'il faut. Donc, des fois, je panique un peu. Et Ludivine m'a aidée à me concentrer sur ce que je peux tirer, sur le meilleur que je pouvais tirer de moi-même. Voilà. C'est ce que à canaliser toute cette énergie. Canaliser toute cette énergie que j'ai. Hein. Et voilà, Ludivine m'a fait du bien. Voilà, c'est ça. Ludivine m'a fait du bien avec les mots que j'ai là, qui me viennent. Et j'étais... comment dire? Alors, Jacqueline, c'est quelqu'un que j'ai vu, hein, que pour la petite histoire, qui habitait près de ma grand-mère, mais on en parlera après, hein, de chez ma grand-mère. Tu as grandi là, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un que j'ai vu. Mais là, je te vois autrement. Tu la redécouvres. Voilà, je te redécouvre. Et je suis vraiment fière de ce que tu apportes à Bouillante. Voilà. Et on disait tout à l'heure que la basse terre était en plein développement, en plein essor. Et c'est grâce à des gens comme Jacqueline, Laurence, avec qui j'ai déjà travaillé. Oui. Sincèrement, ceux qui peuvent y aller, honnêtement, c'est un endroit. Vous arrivez là, vous êtes complètement... coupé du monde extérieur, déconnecté, et on repart. Voilà. Alors, Chef B, avec qui je travaille maintenant, ça fait pas tellement longtemps qu'on se connaît, mais je trouve que c'est quelqu'un de vrai. Et la connexion, c'est fait la connexion, suite. Voilà. Et Myriam, parce que Myriam et moi, on travaille ensemble sur Radio Côte Caraïbe. Mais comment Myriam a su... Oui. Je comprends pas. Nous sélectionner Myriam, nous a sélectionné tout comme ça parce que les quatre avec autant de ça, c'est tellement puissant. Voilà. Je te tire mon chapeau parce que tu as choisi. Ludivine n'est pas là, mais je trouve ça important de parler d'elle. Elle m'a bousculée, vraiment. Elle m'a vraiment. Ouais, on sent le point. Alors pour ceux qui écoutent, le point, elle a bousculé. Là, tu vas leur faire peur. Ouais, non, mais à un moment, j'en avais la larme aux yeux. Elle a dit tout à l'heure qu'elle a du mal à se complimenter elle-même et à trouver les mots, et que c'est Ludivine justement. Alors Ludivine, je fais ton travail là, je la recorrige, parce que tu remercies Myriam et tu te demandes comment elle a fait, mais il faut savoir aussi qu'on connaît Myriam par rapport à toi, Johanna. Parce que première interview ici à Côte-Caraïbes, c'est toi qui m'as ramené ici. Et toi aussi. En tant que chef. Moi aussi. Donc, il faut aussi que tu vois que tu es quelqu'un qui relie les gens, qui met les gens en connexion, en réseau. Donc, c'est merci aussi à toi. Non, mais c'est vrai, parce que ça fait 3 ans que je suis en Côte-sous-le-Vent. C'est sûr, on rencontre plein de gens, des gens aussi qui parlent beaucoup, et des fois, derrière l'action, il n'y a rien. Il faut dire les choses aussi. Et on a aussi des gens qui sont là, qui vous disent, voilà, je serai là. Tu fais partie de ce genre de personnes qui disent, voilà, je vais être là avec toi, je veux faire tel projet avec toi, et qui concrétisent les projets rares. Il y a deux choses. Il y a la personne qui va promettre et il y a la personne qui va aller au bout de l'action et qui va réaliser. Tu fais partie de ce genre de personne. Merci beaucoup. Et Myriam, pareil. Donc, il faut profiter de ton quart d'heure de gloire, s'il te plaît. Voilà. Bravo, Johanna. Et toi, Myriam, mis à part te dire, viens à notre brunch, on t'invite. C'est
c'est sûr. Non, elle est invitée, c'est sûr. On t'invite en direct, comme ça, tu vois, tout le monde sait. Le 16 mars, t'as ton entrée, tu viens, tu manges à l'œil, tu bois à l'œil, un joana. Sacré Dieu. Non, légèrement. Non, mais tout ça. Non, Do a dit, il faut l'inviter aussi. Do à la technique. Oui. Alors, justement, venez, ça me permet de faire une belle transition. Parce que Claude disait tout à l'heure, Claude Loba, qui nous a laissé une belle question. Est-ce que nous n'avons pas place à la réussite à Zot? Moi, je le dis tout de suite. Hein. Non, appuie sur. Oui, il faut que j'aille plus loin, pardon. Bisous, peuple. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il pose la question. Alors, moi, je le dis, pour cet après-midi. Alors, même avant ça, dans toute la préparation, j'ai été accompagnée par mes collaborateurs, techniciens, réalisateurs, techniciens son, n'est-ce pas, mon ingénieur du son. Il se reconnaîtra. Donc, Jean-Luc, Dominique, voilà, pour répondre à ta question, les hommes sont là, même si cet après-midi, C'est primordial. Et puis, je peux rajouter aussi, c'est vrai que, le projet... moi, je l'ai porté, ça a mûri, mais c'est vrai que mon homme aussi, il est à côté de moi. Et puis, il faut parler de nos hommes. Et qu'il me soutient. Il y a donc, c'est vrai. Mais bon. Non, on dit souvent que derrière un homme, il y a une femme, mais derrière une femme, il y a aussi un homme. C'est vrai, tout à fait. Donc, pour répondre à la question, même plusieurs, sans poser de problème, mais même plusieurs. Voilà, même plusieurs, oui. Vous avez votre place, messieurs. Voilà. Même si elles ont l'air comme ça, bien. Forte, hein, on l'a dit, femme forte, mais en tout cas, les moi j'aimerais juste rajouter, il y a ce mythe de la femme potomitan et j'aimerais qu'on détruise ce mythe. On est vulnérable aussi, même si on paraît toujours forte, toujours bonne humeur, toujours on va y aller, pleine d'énergie, mais tout ça. On a toujours besoin, c'est toujours un travail d'équipe. Absolument. Et il faut que vous reconnaissiez aussi que nous sommes des femmes, on a notre vulnérabilité. Et qu'on a besoin de vous aussi, les hommes. Alors, on fera un autre débat, mais il paraît que les hommes ont, avec femmes, face à vous, ce type de femmes aussi entreprenantes. Ils ont peur. Non, mais voilà, c'est ça, il paraît. Ils ont peur. Il paraît. Mais bon, on ne va pas lever le débat, n'est-ce pas? On va faire une autre émission. Une autre émission. Alors, Jacqueline, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Non, ça va? Alors, Philippe qui dit, Johanna, que dire de cette grande dame des médias qui se détourne pas mal. Alors, attendez, je reprends. Que dire de cette grande dame des médias se détourne pas mal de son île. Se détourne pas mal dans son île. Quel courage pour cet engagement sincère malgré cette prise de risque. Oula, je suis allée un petit peu trop vite. Je reviens. Alors, voilà, je descends les choses tout doucement. Donc, je reprends. Quel courage pour cet engagement sincère malgré cette prise de risque. La proximité est importante envers notre belle commune et tes diverses actions. Bravo. Non, mais merci vraiment, merci qu'il y a eu ce mot pour chacune. C'est appréciable. Ouais. Merci beaucoup, vraiment, c'est le grand fan. Il faudra qu'on lui fasse un cadeau un de ces jours. C'est clair, viens, il est toujours connecté. Vraiment, quel que soit l'heure. Viens, on t'invite, viens. C'est vrai, c'est appréciable. Viens nous voir. De l'autre côté. Ou de l'autre côté. Il est en métropole. Mais viens, Béné. Mais bien sûr, l'avion, 8000 km, c'est pas loin. C'est lui, tu as bien fait. Alors, Romain qui dit, Jacqueline, son grand madame en la coupe Paris, si on moun, que tout le monde te ka voit travailler avec. Et puis, voilà. Et puis, merci, Romain. Ouais, mais quand il est en Guadeloupe. Donc, si ça veut travailler avec, vite là. Merci, Romain. Et puis, merci pour. Ouais. Merci pour tout le travail fait aussi, parce que Romain, son monde capote et manœuvre aussi. Bon, c'est donc, nous devons travailler ensemble. Donc, et, voilà. Oui, aussi Radio Fanfan, P2M, capote et manœuvre. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Qui est en radio aussi et qui bouillantait. Alors, Johanna en font belle rencontre et puis un bon monde. Oh, merci Romain. Magnifique. Voilà, donc, nous avons donc maintenant découvert les pitchs. N'hésitez pas, on va encore se garder quelques minutes, puisque finalement les émissions d'après ne sont plus. Donc, on peut s'accorder une petite 10 minutes encore pour discuter. Alors, Johanna, je voulais te demander, maintenant qu'on a entendu ton pitch, tu as esquivé, mais je reviens à toi, n'est-ce pas? Alors, tu t'es justement dit au départ, quand tu as créé cette entreprise, que c'était pour relever le challenge de s'occuper à la fois de tes enfants et de mener à bien ton activité professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu as relevé le défi? Alors, je dirais que c'est dur parce que si mes enfants me regardaient, ils diraient « Ouais, mais en fait, tu n'avais plus de temps pour nous. » Voilà, parce qu'au départ, ça demande beaucoup de sacrifices en termes de temps. Ouais. Et c'est vrai que
j'ai manqué parfois à mes obligations. Du coup, je déléguais ce que les enfants n'aiment pas du tout. Les trajets sportifs, etc. J'ai dû déléguer, j'ai dû, moyennant finance, bien entendu, à d'autres personnes. Alors, 3 ans après, parce que ça va faire 5 ans, si je compte bien maintenant, hein, mm-hmm. j'ai assistance. Eh ben, maintenant, j'y arrive mieux. J'arrive mieux à gérer mon temps et je peux me permettre de le faire aujourd'hui. Mais ça a été un combat de longue haleine. C'est oui, oui. On a voilà. dit, hein, persévérance, courage, détermination. Voilà, parce que, voilà, c'est... Et, on se dit, une fois qu'on est patron, son propre patron, on peut gérer. Mais non, en fait, non. Puisqu'on est tributaire quand même bien des sûr. Clients qu'on a. Voilà, donc on ne peut pas faire son planning comme on a envie. Pas totalement, en tout cas. Parce que c'est pas vrai totalement. Que parfois, la motivation des jeunes, notamment, ou très tôt, qui nous disent, oui, mais moi, je n'ai pas envie de travailler pour un patron, je veux être mon propre patron. Mais c'est vrai bien, que cette articulation-là, de trouver le juste milieu, répondre à ses obligations personnelles, qu'on ait des enfants ou non, et allier aussi cette activité professionnelle qui, pour la développer, il faut y être. Il faut répondre présent. Donc, non, moi, je pense que les 3 premières années, souvent, sont les années le cruciales. On le dit statistiquement, hein, oui, c'est qu'au bout de 3 ans, si votre société survit, voilà, c'est déjà un bon critère. Ouais. Ouais, d'accord. Bon. Oui, Jacqueline. Ça, effectivement, par rapport à la persévérance, je pense que, et ça, c'est important comme message aussi pour les jeunes créateurs, parce que c'est vrai qu'on entend souvent au niveau des politiques, créez votre entreprise, vous serez aidé. Je pense que il faut être lucide que les choses lorsqu'on crée une entreprise, c'est pas voilà, c'est pas le, voilà, c'est il faut tenir. Après, il faut être convaincu aussi dans son projet. Il faut aimer son projet, convaincu, et tenir. Effectivement, moi, ça va faire 2 ans. Ben, il faut encore attendre ce 3 ans pour passer. La première année. Voilà. Le cap, passer le cap. Voilà. Donc c'est réel en fait quand on dit que c'est 3 ans. Ah oui, c'est ça. C'est réel. Alors effectivement, on a des signes, puisque moi, ma première année, c'était déficitaire. La deuxième année, j'absorbe mon déficit avec très peu de bénéfices. Donc j'espère que la troisième année, ça va tenir. De toute façon, on dit, hein, quand on monte une entreprise, je me rappelle quand j'ai fait une formation quand même, quand j'ai passé mon permis d'exploitation, parce que je suis obligée quand même, au cas où si je veux ouvrir un grand établissement, c'est quand même mon rêve plus tard. Et en passant la formation, le maître formateur disait, par exemple, juste pour la restauration, si tu crois que tu vas générer de l'argent avec du bénéfice, tout ça, tu peux être redescends les pieds sur terre, ma petite. Hein. Sinon, tu oublies ça, tu vas travailler pour un patron et tu t'es. Il m'a dit ça direct. Parce que tu vas galérer, tout ce que tu vas gagner, ben, ça va partir dans les factures. En réinvestissement. Donc, ton temps, c'est un investissement, donc même si tu dors très peu. Il faut accepter que pendant au moins 2 ans à 3 ans, bah, tu vas pas gagner d'argent, tu vas des fois pleurer même, pour dire j'ai le regret total. Et c'est comme ça, c'est dans tout dans la vie. Et puis ton temps, bah, tu vas pas dormir, tu vas perdre des nuits blanches. Mais au bout de tout ça, il y aura de la lumière, il y aura la réussite, il y aura l'argent, il y aura la satisfaction. Voilà. Mais c'est plus tard. Il faut accepter de perdre avant de gagner. Avant de gagner. Très bien. Alors, très Hélène bien. Qui nous a laissé un petit mot aussi en direction de Johanna. Je t'encourage également, Johanna, dans ton projet et déterminée à aller plus loin. Donc, il y a plein de signes pour dire bravo. Ouais. Un message aussi donc de Philippe Serein. Alors, les filles, merci de mettre en avant vos talents au travers le regard du monde extérieur. Un plaisir pour moi de voir cette addition de compétences grâce à la Radio Côte Caraïbe. Belle beau. À toutes. Il a vraiment, aussi, il a vraiment 10 sur 10. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais c'est le grand fan. Parce que là, il nous a maintenant remercié toutes. Ouais, voilà, ouais. Il a fait la synthèse. Vraiment, 10 sur 10. Non, mais c'est le grand fan. Franchement, ouais. Voilà, on a hâte qu'il revienne et qu'on puisse le remercier nous aussi. En direct aussi. Myriam, si tu permets, je voulais aussi ajouter, parce que je trouve que ce qui est important dans cette émission, c'est peut-être aussi de donner des conseils pratiques à ceux qui veulent nous suivre et créer leur propre entreprise. Mm-hmm. Et moi, l'une des choses qui a aussi beaucoup aidé, c'est de me rapprocher de gens qui l'ont déjà fait. Oui. Voilà. Ce partage d'expérience. Voilà, partage d'expérience, parce que des fois, on peut lire des bouquins, on peut se renseigner de façon, on va dire, théorique. Oui. Et avoir les cours, c'est important, comme Bill le dit, se former, avoir ses cours, avoir vraiment. Mais derrière, voir
en vrai, qu'est-ce que ça donne. Oui. Et comme ça, ça permet aussi de se dire, ah, je ne suis pas quand même folle, ou je suis, ah oui, d'accord, cette étape-là est normale. Voilà, donc moi, j'ai eu la bouquée bouquée, parce que je vous ai dit au début que j'étais l'aînée de mes trois frères, mais mes trois frères, eux, ça fait 10 ans qu'ils vendent des bouquets à Londres. D'accord. Ils vendent des bouquets à Londres, okay. Là, petit clin d'œil pour eux, et je les ai observés. Et c'est comme ça que j'ai vu effectivement que c'est totalement normal que les cinq premières années, oui. On travaille au charbon. Parce que ces messieurs-là, je peux vous dire, ces trois chapeaux à mes frères, mais je vous dis qu'en les voyant travailler, ça m'a donné le courage aussi de travailler comme je le fais au domaine de Bois Malherbe, puisqu'on sait que, et tout, vous, nous quatre, je pense que c'est valable pour nous quatre, on sait qu'il faut vraiment, pour faire décoller une fusée, comme on dit, voilà, c'est il ça, faut une énergie nucléaire. Voilà. Alors, oui, moi aussi, puisque je voulais aussi faire passer comme message, très souvent, on se dit quand on a un projet, il ne faut pas en parler. On a ça aussi comme habitude en Guadeloupe, pas raconter pour machin, hein, ouais, pas raconter piqué et tout ça. J'ai vraiment envie de dire, arrêtez. Au contraire, ouais. Il faut le partager, il faut en parler. Parce que ce que Biffé, par rapport à son expérience, moi, je ne pourrais jamais tout le faire. Tout à fait, c'est quand unique. Quand on a un projet qui sort de notre âme, qui sort de notre cœur avec notre expérience, pour moi, on ne peut pas piquer. Ouais. Mais par contre, il faut qu'on en parle, au contraire. Voilà. Après, il y a une phrase qui dit, imitez jamais égaler. Donc, ça. Même si quelqu'un essaie de piquer votre idée, bah, dites-vous que c'est très bien, ça veut dire que vous avez des bonnes idées. Celui qui ne vous pique pas votre idée, c'est que bah, ça ne vaut rien. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est la première chose qu'on m'a dit en Guadeloupe, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui a la pensée négatif en me disant mince, il faut pas raconter mes affaires sinon que... Et tout le monde, que ce soit ma famille, ma mère, alors ma mère c'est le pire je crois là-dessus, elle est... mais après c'est éducatif hein. Oui, bien sûr, parce que ils vont mettre du guillon, c'est ça, ils vont mettre de mauvais oeil dans tes affaires, ils vont faire des chambois, il y a plein de trucs comme ça, et on me disait mais toi tu fonctionnes comme une blanche, tu racontes ta vie ah oui c'est ça hein. On m'a traité de blanche, on m'a dit tu racontes ta vie, tes projets, ferme ta bouche parce que en fait ça va jamais évoluer, tu veux une maison, ben tais-toi parce que ta maison tu vas jamais l'acheter, ils vont casser, c'est vrai qu'il y a beaucoup ils vont de... mettre le chétan, voilà, ils m'ont dit, bon c'est pas comme ça qu'ils le disent, mais ils vont mettre ça aussi dans tes affaires, et du coup, le banquier va trop chier. Oui, il y a certains clichés, il y a certaines choses qui sont... Alors, il y a certaines réalités sur certaines choses, je suis d'accord, mais moi, je pars du principe, parce que je m'enferme beaucoup dans la spiritualité depuis un an, et beaucoup de plus la méditation que la spiritualité, parce qu'il faut pas tout prendre dans la Bible, mais dans la méditation, où l'énergie positive, la pensée positive emmène... Du positif. Absolument. Donc, peu importe la loi de l'attraction. Voilà. Donc, j'ai compris que les gens ont gagné un pouvoir dans ma vie et dans ma pensée depuis tout jeune. Ça commence par les parents. Tu n'y arriveras pas. Ce terme, il faut balayer ça dans notre culture antillaise. De dire à un enfant, il n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, directement, vous lui mettez cette phrase dans la tête et ça met déjà une barrière. Parce qu'en fait, tu as émis un souhait dans sa tête. Oui. Et on nous dit dans la méditation qu'il faut avoir des pensées positives. Il faut dire « j'y arriverai, par la force de mes moyens, j'y arriverai ». Peut-être pas dire « je vais y arriver au tac au tac ». Je ne dis pas qu'il faut avoir être utopique et rêveur, mais le rêve est important. Absolument. Celui qui a inventé le PQ, il a rêvé. Ça bien. Le rêve est important. J'adore les exemples de rêve. Mais oui, j'ai un exemple tout bête que je dis toujours aux gens, c'est le rouleau de PQ. Le mec qui a imaginé faire du papier de PQ et supprimer la feuille de branche qu'on se torche avec, eh ben, tout le monde l'a pris pour un fou. C'est sûr, tout le monde lui a dit, mais d'où tu sors ça? C'est fou, ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'utile à tout le monde. Tout le monde utilise le rouleau de PQ, mais celui qui l'a inventé, on ne l'a pas fait passer pour un fou. Ben, c'est un exemple tout bête que je préfère dire, parce que c'est quelque chose qu'on a tous dans notre maison et que sûrement on lui a dit qu'il était fou et que son invention n'allait pas fonctionner. Ben voilà. Et donc il faut pas forcément. On est ramené à la réalité directement. Si je peux rebondir aussi, Myriam, c'est que pour la petite anecdote, récemment je parle de mon émission rapidement, mon Timoun en rêve, hein, sur Radio Côte Caraïbe. Restez connectés, voilà. Vous savez déjà. Et je parle avec une dame, je lui dis, mais ce serait bien que tes enfants, ils viennent et tout, machin. Et elle me fait ce discours-là. Elle me dit, oui, mais moi, je préfère que mes enfants gardent leurs rêves pour eux, parce que oui, les gens vont voir, machin. Je ne sais plus quelle phrase elle m'a sortie, de quel livre de poésie. Mais... ça m'a choqué qu'en 2024, les gens pensent encore comme ça. Ça existe. Voilà. C'est dommage parce que moi, je suis dans le truc. Je vois que les enfants, s'ils ne sont pas motivés, s'ils ne sont pas boostés,
Voilà. Et on a parlé, on a parlé en début d'émission avec de l'ambition. Voilà. Tout à fait. Et c'est exactement pareil pour les adultes. Si on n'a pas dans notre entourage de modèle, voilà, de modèle, voilà, de personnes qui positives, qui soient positives, etc. J'en parlais encore ce matin. Hein. Tout à fait. Voilà, on n'y arrivera pas. Voilà. C'est important d'avoir un entourage positif, même ses amis, même les clients. Moi, maintenant, des fois, c'est pas méchant, mais quand quelqu'un est trop négatif à côté de moi, je prends une certaine distance. Parce que je peux pas. Je peux pas apporter que de la positivité à l'autre personne et que la personne me ramène que de la négativité. Il faut un équilibre. Je dis pas que tous les jours on pense positif. Hein. Des fois, on broie du noir. Une fois, il y a peut-être un mois, ma voiture, comme ça, en roulant en pleine nuit, je crève. Mon pneu crève. Mais il y a un an, j'aurais mis ça en mode chaos. J'aurais dit, il m'arrive que des malheurs. Je serais déjà énervée. J'aurais mis ça sur la fatalité. Voilà, on est fataliste. Ouais, c'est quelqu'un d'autre qui t'a fait ça. Voilà. Hein. Non, même pas. Hein. Non, pas du tout. J'aurais jamais pensé comme ça. C'est mais pas en parce fait, qu'elle j'aurais... est haïtienne qu'il faut dire non, ça. Non, j'aurais jamais pensé Laurent, comme ça. Tu aurais subi. Mais et en fait, on a une pensée fataliste aux Antilles. Où on se dit, mince, il nous arrive que des malheurs, etc. Au lieu de ça, en fait, j'ai ouvert ma radio en attendant que mon copain vienne m'aider à changer ma roue, parce que je suis voilà, on posait la question tout à l'heure, nom là, là il voilà, est il là. Est là, il est venu changer mon pneu, mais le temps qu'il arrive, pour enlever état de nerf et de me dire, il m'arrive tout le temps des couilles, parce qu'en ce moment, il m'arrive pas mal de couilles, j'ai mis un peu de musique, de méditation, et je suis rentrée dans ma zénitude, je me suis dit... Oui, voilà. Donc se servir de même... Voilà. Même de son malheur pour avancer. Voilà, pour et me dire, voilà, au moins t'as une petite pause parce que j'avais pas. Tous les jours, je me donne 30 minutes de méditation, mais ce jour-là, je me le suis pas donné. Ah ben, j'ai profité que mon pneu soit crevé pour me faire mes 30 minutes de méditation. Après, on reste humain, hein, il nous arrive des trucs mais et on peut avoir ce quart d'heure de doute et puis se dire non! En tout cas, les filles, je me permets de rebondir parce que là, c'est une belle invitation que vous me permettez d'adresser à tout le monde. C'est que quand vous vous sentez pas bien, en tout cas, et bas en énergie, et que vous êtes en plein processus de création, venez à Bois-Malère. Venez au domaine de Bois-Malère. Elle a le droit de le dire. En pleine nature, mais elle a dit qu'elle écoutait la radio. Donc moi, je vous invite vraiment à écouter Radio. Radio Cocaïbe. On avait dit, c'est ça. Bon, vous l'aurez compris, voilà, la discussion va encore continuer. D'ailleurs, on va écouter l'invitation tout à l'heure de Dominique Coquet qui continue ce combat. Mesdames, vraiment merci. Jacqueline, Johanna, Laurence et Chef B, Bernadine, oui, Bernadine Fulrade, voilà, il faut le dire, voilà, sa famille aussi se reconnaîtra là-dessus. Vraiment merci beaucoup à tous ceux qui étaient connectés, Lydia, Romain, Philippe, notre grand... Madame Thaïlandie aussi, que je revienne. Voilà, Hélène, que je remonte le fil pour vous dire merci, merci beaucoup. Il n'est pas trop tard pour partager la vidéo. Voilà, juste à côté des commentaires, vous avez une petite flèche, vous pouvez encore partager cette émission. Voilà, ça va peut-être donner le peuple à ceux qui ont le moral un peu bas, comme on l'a dit tout à l'heure. On va retenir vraiment cet engagement pardon, de ces femmes, de ces quatre femmes de la Côte-sous-le-Vent, je vais dire ça comme ça. Pour l'entrepreneuriat, pour proposer des services différents, pour la proximité, et elles l'ont dit, elles sont courageuses, déterminées, ambitieuses et persévérantes. Merci encore, mesdames, de ce moment de partage sur Radio Côte Caraïbe. Merci à ceux qui m'ont accompagnée, donc Luc Fetama, Dominique Farnable, Jean-Luc Mamilone et bien entendu toute l'équipe de Radio Côte Caraïbe. On vous remercie et vous l'aurez compris, restez connectés, il y a encore beaucoup de choses qui vous attendent. À très très bientôt. Merci. Merci beaucoup Radio Côte Caraïbe. Merci. Ciao tout le monde. À bientôt. Toute couleur, toute bête, toute religion, profitez d'elle pour braser.
Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Nouvelle génération pour un changement.